Bonjour à vous. Donc cette table ronde est un peu une première puisque c'est notre première table ronde en dehors du festival lui-même. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'auto-édition qui est un sujet, on va dire, d'actualité avec les nouvelles technologies qui ont pas mal développé ce secteur. Donc pour en parler, notre intervenant principal va être Stéphane Harnier, donc qui est lui-même auteur auto-édité et qui a testé l'expérience en live, on va dire. À ses côtés, nous avons Dunia Sharaf, qui représentera l'auteur du circuit traditionnel, écrivaine. Et donc, je vais à la fois jouer le rôle de modératrice et la voix un petit peu de l'éditrice dans le lot. Donc, écrivaine quand même, mais éditrice surtout pour cette table ronde. Donc, on y va, Stéphane, on t'écoute. Bonjour. Le but un peu de cette table ronde, c'est d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas le principe de l'auto-édition, à qui ça s'adresse, et pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient tenter l'aventure, savoir un petit peu quels sont les premiers pas et à quoi s'attendre en fait. L'auto-édition, pour bien la comprendre, il faut la comparer au circuit traditionnel, c'est-à-dire que dans la chaîne du livre, on a un auteur qui, jusqu'ici, dans le circuit traditionnel, devait envoyer son manuscrit à un éditeur et qui devait convaincre celui-ci de la qualité de son livre et travailler ensuite avec l'éditeur pour le diffuser. Et l'éditeur fait le lien ensuite avec l'imprimeur, avec les distributeurs, qui sont les libraires. L'idée de l'auto-édition, c'est que l'auteur devient son propre éditeur. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, donc, ça gagne en liberté, puisque l'auteur peut éditer et publier le livre qu'il souhaite. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a personne qui relie son manuscrit, qui autorise ou pas l'édition. Et donc l'auteur doit se débrouiller avec lui-même pour diffuser son livre, faire lui-même le lien avec les imprimeurs, avec les distributeurs. Avec le bémol que ces dernières années, il y a eu beaucoup de sociétés, de plateformes qui se sont créées, donc, qui ne sont pas des éditeurs, ce sont des plateformes d'auto-édition, qui permettent d'aider l'auteur avec tout un tas de services, puisque on va en reparler, mais être auteur auto-édité, ça ne veut pas juste dire savoir écrire, ça veut dire se débrouiller tout seul pour tout, pour le graphisme, pour l'impression, pour la communication, pour tout ça. Donc, je vais juste souligner un petit point. Donc, le mot important dans ce que tu as dit, c'est que l'auteur auto-édité devient son propre éditeur. Éditeur, c'est un métier. Donc, ça veut dire qu'en plus de la casquette d'écrivain, en plus de juste écrire derrière son clavier, il endosse un nouveau métier qui a beaucoup, beaucoup d'aspects. Donc, on va développer ça. Mais voilà, c'est un métier. Alors, l'auto-édition, on discutait avec Sybille avant l'intervention. Elle existe depuis un certain temps, mais elle s'est vraiment beaucoup démocratisée ces dernières années grâce essentiellement à deux évolutions technologiques. C'est-à-dire pour le livre papier, la grosse évolution a été l'existence d'une pression à la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les imprimeurs sont capables de vous imprimer des exemplaires à l'unité, alors qu'à une certaine époque, si vous voulez faire imprimer votre livre, il fallait en commander un grand exemplaire. Et l'autre évolution technologique, ça a été la création des livres numériques, donc des e-books. Alors, il ne faut pas confondre l'auto-édition avec uniquement édition numérique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auto-édités qui ne publient qu'en version électronique qu'en e-book, mais ce n'est pas du tout la majorité. On peut être auto-édité aussi bien en papier qu'en e-book. Ce sont deux choses qui ont vraiment fait exploser les données, avec l'implication également de gros acteurs. On est obligé quand même de citer des grands acteurs comme Amazon qui ont favorisé la démocratisation de l'auto-édition. On va peut-être juste redéfinir rapidement ce que c'est que l'impression à la demande et le livre numérique. On va juste resituer ça puisqu'on essaie de faire un petit peu cette table ronde avec un côté pédagogique. Alors c'est beaucoup, mais ils ne sont pas de mots. Donc, je vais essayer d'être clair à ce sujet. Donc l'impression à la demande, c'est lié aussi au format numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les nouvelles machines, les nouvelles imprimantes qu'ils ont, les imprimeurs n'ont plus besoin, avant de payer une espèce de matrice, je ne sais pas comment on dit. Alors du coup, je vais prendre la parole. Donc avant l'avènement de l'impression numérique, l'impression se faisait en offset.
Et l'inconvénient de l'offset, c'est qu'on lance des machines pour réaliser, voilà, alors je ne sais pas le mot technique, mais on lance une machine et grosso modo, l'offset au-dessous de 500 exemplaires, ben, c'est pas rentable, c'est trop cher, c'est trop compliqué. L'impression numérique est arrivée, on va dire, il y a à peu près, alors je dirais il y a 15 ans maintenant, une quinzaine d'années où ça s'est vraiment démocratisé. Sur les premières impressions numériques, on devait quand même faire une centaine ou 200 exemplaires avant qu'ils ne lançaient pas les machines à moins, on va dire. Et ce qui est arrivé, c'est, on va dire maintenant, il y a 5 ans, je dirais, mais alors là, vraiment, je suis dans la mémoire, ça vaut ce que ça vaut. Ça a vraiment arrivé, l'impression numérique, à la pièce. Et ça, c'est impressionnant. Enfin, moi, ça m'a impressionné quand j'ai vu les premiers résultats. C'est que le livre est impeccable, nickel, et à la pièce. Donc l'impression numérique a complètement changé la façon dont on aborde le livre papier, puisque désormais, même pour se faire plaisir, j'ai envie de dire pour un anniversaire ou quelque chose comme ça, on pourrait offrir un livre unique à quelqu'un pour une somme tout à fait accessible. Donc il y a ce côté l'impression à la demande, et il y a aussi maintenant ben, la possibilité d'avoir des e-books et des livres numériques sur les liseuses. Tout à fait, donc ce qui permet d'avoir le livre en format numérique, alors de pouvoir le lire sur des supports qui ne sont pas forcément dédiés à ça, sur les tablettes, les smartphones, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent aujourd'hui ce genre d'appareils. Et puis, se sont créés également des appareils dédiés à la lecture, que sont les liseuses, donc avec des formats spécifiques qui permettent, bah, l'avantage après des liseuses, c'est de pouvoir régler soi-même la taille de sa police, l'espacement entre les lignes. Il y a des personnes âgées qui s'en servent parce qu'ils ne pouvaient plus lire en format papier parce qu'ils trouvent que c'est écrit trop petit. Là, ils peuvent agrandir la taille de la police. On a des dictionnaires intégrés. Donc voilà, c'est tout un tas de confort, puis de taille, puisqu'on peut avoir une liseuse qui est assez fine et légère. Et donc les gens lisent en transport en commun. On peut avoir une bibliothèque monstrueuse de livres dans sa poche. Donc voilà. Et forcément, bah, format numérique dit qu'on économise le coût d'impression, du papier, etc. Donc ça veut dire aussi que les formats numériques sont moins chers, ce qui permet éventuellement d'acquérir un autre public. Donc ce sont vraiment deux choses qui ont vraiment révolutionné l'auto-édition, puisqu'avant un auteur qui voulait s'éditer à lui-même, soit par l'édition traditionnelle, à compte d'auteur s'il n'arrivait pas à convaincre un éditeur, ou sans auto-édition, il fallait investir des frais puisqu'il fallait justement bah, financer l'impression de 500 ou 1000 livres au départ en croisant les doigts pour réussir à les vendre. Aujourd'hui, un auto-édité, une fois qu'il a fini son livre, bah, il n'a pas forcément de frais à avancer. Bah, s'il y a 3 personnes qui commencent son livre, et bah, un imprimeur va commander 3 livres, envoyer chacun des livres aux personnes. Et voilà. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé les choses. Et donc, bah, ces dernières années, le nombre d'auteurs auto-édités explose. Alors, j'ai eu du mal à trouver des chiffres concordants, j'ai trouvé plein de chiffres, mais qui varient d'une source à une autre. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne fait qu'augmenter chaque année. De plus en plus de gens se lancent dans l'écriture, juste soit pour le plaisir, soit avec l'espoir éventuellement de percer. Ben, moi, je le mesure au niveau de l'organisation de l'e-fiction, c'est-à-dire qu'on est sollicité par de très très nombreux auteurs auto-édités. Donc il y a quelques années, quand on va dire on avait un blog de critique, ou enfin on était déjà dans le milieu, il n'y avait pas autant de sollicitations. Donc c'est assez impressionnant quand même. Oui, et si on voulait justement se poser la question d'à qui s'adresse l'auto-édition, c'est ça qui est très important, c'est que ça s'adresse en fait à tout le monde. À une époque, on disait que au tout début que c'était uniquement les auteurs un peu frustrés qui n'arrivaient pas à percer dans l'édition traditionnelle. Aujourd'hui, comme l'a dit Sybille, même pour se faire plaisir, pour un anniversaire ou quoi, on peut éditer son livre sans forcément avoir la prétention d'en vendre des milliers d'exemplaires, mais juste pour se dire bah, je vais en éditer une dizaine pour offrir à ma famille à Noël. Donc ça touche vraiment l'écrivain du dimanche qui a envie juste d'écrire pour se faire plaisir et d'avoir l'objet papier entre les mains ou pouvoir avoir un beau format numérique à distribuer autour de lui. Jusqu'à ceux qui veulent vraiment percer, réussir, faire beaucoup de ventes et qui veulent se lancer plus tard éventuellement dans l'édition traditionnelle. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu tous les profils et ça touche beaucoup de monde. Et puis bon, je crois qu'en France on aime bien la littérature, donc tout le monde a dans un coin de sa tête le rêve de devenir écrivain. Oui, il me semble qu'il y a une citation comme ça qui dit que tous les Français sont écrivains et ont un manuscrit dans leur tiroir ou quelque chose comme ça. Voilà, donc forcément... il y a eu un énorme impact. Au tout début, l'auto-édition,
début de l'opposition. Il y a quelques années, quand ça s'est vraiment démocratisé, ça a souffert forcément d'une mauvaise image, puisque à partir du moment où il n'y a pas un éditeur qui fait de filtre et qui trie les manuscrits qu'il veut éditer, l'auto-édition signifie que n'importe qui peut publier n'importe quoi. Donc forcément, on se retrouve avec énormément, avec des milliers de nouveaux livres chaque année, et forcément avec une qualité très très disparate. Vous pouvez très bien avoir des livres qui arrivent du coup sur le marché, pour être faute d'orthographe, très mal écrit, il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. On va peut-être revenir justement sur le processus de l'édition. Qu'est-ce que l'éditeur? Puisque pour parler d'auto-édition, il faut parler du métier d'éditeur. Donc peut-être on va reprendre un peu le processus classique pour le comparer à l'auto-édition. Oui, je pense que j'ai une bonne idée, mais je te laisse la parole du coup. Ok, je me suis fait avoir. Donc l'idée, on va reprendre depuis le début. Donc on a un auteur du dimanche qui est peut-être bon, hein, il y a peut-être du talent, qui écrit dans son coin. Et une fois qu'il a fini d'écrire, j'ai envie de dire, le vrai travail commence, puisqu'il a écrit tout seul, donc ça veut dire que son manuscrit n'a pas été confronté au regard de l'autre, et l'autre est le lecteur, le spectateur, donc celui à qui est destiné ce travail d'écriture. Donc le circuit traditionnel, ça veut dire que quoi qu'il arrive, l'auteur va être confronté au moins dans une démarche, ça peut être sa première démarche, il l'a fait lire à personne d'autre, va être tout de suite confronté à un comité de lecture professionnel. Alors on espère, hein, on parle en théorie tout est génial. Donc on prend un éditeur classique, qui a un comité de lecture qui a une certaine conscience professionnelle, qui fait bien son taf. Et donc l'auteur est confronté dès le départ à des lecteurs professionnels qui vont lui faire un retour critique et qui vont lui dire ce qui ne va pas dans son manuscrit. Et si le manuscrit est vraiment bon, qu'ils sont séduits, c'est que le manuscrit est vraiment beau, qu'ils sont séduits. Donc après, on peut imaginer un auteur qui a un petit peu un entourage critique, qui vont lire son manuscrit, qui vont lui faire des retours. Mais l'éditeur représente le regard de l'autre, un regard qui est, on va dire, professionnel et rapide, puisque l'autre peut être, on va dire, ça peut être des gens autour de nous qui n'ont pas forcément un avis tout de suite professionnel. Donc l'auteur auto-édité se débarrasse de ce regard. Donc ça peut être bien, ça peut être pas bien, c'est-à-dire que... Donc ça y est, je commence déjà à m'embrouiller. Si l'œuvre est un petit peu en marge, un éditeur classique va dire « Ouais, c'est sympa, mais je ne peux rien en faire. » Donc l'auteur auto-édité qui a un livre un peu en marge, de toute façon, il faudra bien qu'il aille vers le public tout seul, peut-être. Donc ouais, ça y est, j'ai un peu perdu mon fil. Donc disons que le problème de l'auto-édition, c'est attention, on n'a pas ce barrage professionnel, donc de quelle manière on va le remplacer, en fait. C'est un petit peu ça que... Oui, mais je crois qu'on pourra en parler un peu plus tard dans la session, justement, sur la démarche, qu'est-ce qu'on conseille justement à un auteur qui voudrait se lancer dans l'auto-édition. C'est vrai que pour anticiper un petit peu, on est bien d'accord sur le fait que pour réussir à devenir un bon écrivain, l'auto-édité a tout intérêt à essayer de se professionnaliser. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se passe de l'éditeur qu'il ne faut pas essayer de travailler comme un auteur traditionnel. Et on verra que l'importance pour un auteur auto-édité, c'est de réussir à bien s'entourer de personnes qui vont pouvoir justement éventuellement jouer ce filtre qui a disparu entre l'édition traditionnelle et l'auto-édition. Disons que voilà, on a commencé un petit peu la table ronde en expliquant que c'était le processus de l'impression numérique qui avait démocratisé l'auto-édition. Donc on s'est un peu focalisé sur le côté matériel, à savoir que l'éditeur a un aspect matériel puisque c'est lui qui va transmettre le manuscrit à l'imprimeur et puis va le distribuer auprès des boutiques et des librairies. Mais avant ça, il y a quand même ce processus de sélection. Donc l'éditeur avait deux casquettes, celle de grand lecteur, on va dire, et celle d'intermédiaire avec l'imprimeur, les libraires. Et donc l'auto-édité va se retrouver, on va dire, sans ces deux casquettes-là. C'est-à-dire qu'il va à la fois falloir qu'il explore l'impression numérique dont on a parlé, ces aspects-là très techniques et de fabrication, mais en amont, il va y avoir un processus aussi qu'il va devoir faire tout seul. Oui, tout à fait. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec une proposition de livres auto-édités qui augmente chaque année. Il y a énormément de livres auto-édités sur le marché. Avec, donc, je disais tout à l'heure, du pire comme du meilleur. Et on voit apparaître aussi un autre phénomène depuis quelques années, c'est-à-dire qu'il y a des auto-édités qui obtiennent du succès,
Également. Donc on a tendance à dire que dans notre édition, ben, voilà, le niveau général n'est pas forcément très très élevé, mais il y a des auteurs qui arrivent à tirer leurs épingles du jeu, soit qui arrivent à proposer des œuvres un petit peu en marge, ou simplement qui étaient jusqu'ici inconnus, qui n'avaient soit pas réussi à intéresser des éditeurs, soit des gens qui ne se sont pas lancés dans l'écriture jusqu'ici parce qu'ils trouvaient le chemin justement trop semé d'embûches, qui avec l'auto-édition se disent « ah ben, je peux me lancer » et qui finalement se révèlent avoir des talents. Et donc on a aussi des exemples de plus en plus nombreux chaque année, depuis vraiment 2-3 ans, d'auteurs autodidés qui obtiennent un tel succès par eux-mêmes, via le public, via Internet, via les e-books, etc., qu'ils attirent l'attention d'éditeurs traditionnels qui vont leur proposer des contrats. Donc on a des éditeurs traditionnels aussi qui découvrent que l'auto-édition devient un nouveau terrain de chasse et qui veillent un petit peu sur les gros succès. Puisque forcément, faire signer un contrat à un éditeur auto-édité qui a déjà réussi à convaincre des milliers de lecteurs, ben, ça permet d'avoir déjà de faire signer quelqu'un qui a déjà un lectorat un peu captif. Alors ça existe, bon, ça reste très très minoritaire. Mais on a des éditeurs comme Michel Lafon qui se cache pas d'être très intéressé par ce domaine-là. Ils ont publié au moins une dizaine d'auto-édités ces 2-3 dernières années. Et on a d'autres exemples comme ça. On les mettra en commentaire de toute façon sous la vidéo, je pense, ou dans un article, on rajoutera des liens vers des vrais exemples pour appuyer ça. Voilà, on n'est pas là pour faire de la pub, mais voilà. mais vraiment pour appuyer le propos, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des vrais exemples, donc autant les citer quand même, c'est important. Oui, et puis c'est vrai que bon, il y a beaucoup d'auteurs traditionnels qui ont du mal à faire beaucoup de ventes. Hein. C'est difficile de parler de chiffres de vente, mais des fois, quelques centaines d'exemplaires, c'est pas forcément évident à atteindre pour n'importe qui. N'ayons pas peur des chiffres, on connaît des auteurs connus qui sont bons et qui, par exemple, sur un livre numérique, vont en vendre une dizaine dans l'année. Hein. Enfin, il ne faut pas avoir honte de le dire. Il ne faut pas fantasmer sur l'écriture. On peut avoir fait un très bon bouquin, ça ne remet pas en cause les talents de l'auteur. Et des fois, ben, le public n'a pas vu, n'a pas feuilleté le catalogue, n'est pas allé jusque-là. Hein. Voilà. Mais du coup, dans l'auto-édition aussi, on a tout type de vente. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'auto-édités qui ne vont quasiment rien vendre dans l'année, qui vont vendre 10 exemplaires, 20 exemplaires. On a certains qui vont atteindre quelques centaines. Et puis, en partie grâce au numérique, parce qu'avec les e-books, on peut vendre pas cher, il y a beaucoup de gens qui justement achètent beaucoup de livres comme ça. Vont dépasser. J'en connais personnellement plusieurs qui dépassent les 1000 exemplaires, 2000 exemplaires de vente en auto-édition. Donc il existe de tous les types de vente, quelle que soit l'édition. On en a parlé un petit peu là, en préparant cette table ronde. Donc on va revenir sur le problème, la façon dont il faut qu'on réfléchisse autour des chiffres de vente en auto-édition. Donc, parce qu'effectivement, il peut y avoir de très bons chiffres. En rajoutant, bon là, Stéphane, aussi des gens qui ont bien vendu par le numérique, c'est pas cher et tout ça, on a aussi le phénomène de l'auto-édité va en festival et en salon. Ce qui va moins faire, on va dire, l'auteur traditionnel qui va attendre un petit peu que son éditeur lui dise il y a tel salon, il y a tel festival, tu es invité. L'auteur auto-édité, en général, a beaucoup d'enthousiasme et va aller en salon et l'enthousiasme vend. Donc, pourquoi j'en parle, ça m'a frappé, c'est il y a quelques semaines, un auteur traditionnel me dit qu'il était dans un salon, alors c'était au Toulouse, Manga Show, quelque chose comme ça, hein. Voilà, ça y est, j'ai loupé le mot. Oui, mais c'est ça. C'est... Et en tant qu'auteur traditionnel, on a tendance à s'asseoir derrière la table du libraire, attendre la dédicace. En général, les auteurs sont quand même des gens assez timides et autistes, hein. C'est pas les personnes les plus sociales du monde. Et lui s'est dit, il s'ennuyait, la journée passée tout, il s'est dit, bon, ben, allez, je vais m'amuser un petit peu. Et il commence à faire le chaland, enfin, venez acheter mon livre, il est beau, il est bon, il sent bon, enfin, il s'est bien amusé. Et il a vendu des livres, ce qui ne lui s'est pas arrivé, on va dire, naturellement. Donc, parallèlement, en parlant avec quelques auto-édités, il suffit que l'auteur en question soit un petit peu commercial, ait fait de la vente, ait une espèce de bagou qu'on trouve, on va dire, moins dans les métiers artistiques, et les chiffres peuvent vite s'envoler. Sauf que le lecteur qui vient d'acheter, parce que tu as une bonne tête, tu viens de l'alpaguer, tout ça, il ne vient pas t'acheter ton bouquin parce qu'il a lu une bonne critique. Donc... Ah oui, c'est sûr. Mais disons, voilà, enfin, du coup...
Je voulais te tendre la perche, mais on en a parlé un petit peu avant donc, de préparer la table ronde. Les chiffres dans l'auto-édition sont dangereux. Alors, dangereux dans leur analyse. C'est-à-dire qu'un auteur traditionnel qui a bien vendu, bon, ça peut être que le service commercial de l'éditeur est bon, hein, il faut pas, et que la PLV était belle et tout ça, mais l'auteur traditionnel peut quand même, on va dire, se référer à ses chiffres de vente pour se dire, bon, j'ai trouvé mon public, je représente quelque chose. L'auteur auto-édité, quand il regarde ses chiffres de vente, il doit faire la démarche critique de se dire, bon, ok, j'ai vendu 200 exemplaires, là, on va dire, en une semaine, parce que j'étais sur un salon, mais j'étais là, j'étais sympathique, j'étais le seul à vendre. Enfin, il ne doit vraiment pas trop se fier. Il ne doit pas se dire, bon, c'est bon, j'ai vendu 200, j'ai vendu 500, ça y est, j'y suis arrivé, quoi. Oui, bah après, les plus gros chiffres de vente que je connaisse au niveau de l'auto-édition, ils sont essentiellement en e-book. Et ils sont essentiellement par des gens qui ont ces connaissances marketing du fonctionnement, des promotions type Amazon, etc. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, si vous arrivez à bien connaître comment ça se passe d'avoir une promo sur Amazon, il y a des offres éclairs sur 24 heures, votre prix est en baisse, et puis en même temps, vous êtes en page d'accueil d'Amazon sur des offres. C'est ce qui m'est arrivé en décembre, j'ai fait une promo sur 24 heures. Bon ben, sur la journée, je suis passé devant des livres comme Harry Potter, quoi. Vous vendez plus de livres sur un jour, alors ça ne dure pas longtemps, et vous vendez plein de livres ponctuellement. Alors, c'est pareil, ça n'a rien à voir avec le fait que votre livre est bon ou pas, c'est juste que vous êtes visible et que des distributeurs comme Amazon ont tellement de millions de visiteurs dans la journée que forcément vous faites beaucoup de ventes. Ce n'est pas parce que vous avez réussi une belle vente ou une belle promo sur un jour que ça veut dire que votre livre va être bon. Donc après, il y a la notion entre ce qu'on veut faire en auto-édition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut réussir, un coup, un succès commercial ponctuel, ou est-ce qu'on veut réussir à perdurer. Mais forcément, après, là, on va parler des démarches, comment faire si on veut se auditer, qui contacter, comment s'y prendre techniquement. Mais l'évidence, c'est qu'avant de faire cette démarche-là, de voir quelle plateforme d'auto-édition choisir et comment je m'y prends, c'est qu'il faut écrire un bon livre d'abord. Quoi. Disons, pour faire une parenthèse un petit peu cynique, on peut faire de l'argent en vendant des livres. Donc, si le but est de faire de l'argent, il n'y a pas de souci. Vous faites un livre érotique, vous mettez en scène des choses un peu bizarres et vous allez vendre sur Amazon et vous allez gagner de l'argent. Clairement, nous, on est ici pour parler à celui qui souhaite être écrivain parce qu'il y croit. Et on n'est pas là pour parler d'argent. Donc voilà, il y a de l'argent à faire, ne vous en faites pas. Si vous avez du mal à boucler les fins de mois, ben vous faites du porno sur Amazon, il n'y a pas de souci. Enfin, ça peut se faire. Donc pour l'autre écrivain, celui qui croit... Du sexe et du sang, ça marche toujours. Du coup... On n'avait pas entendu encore. Bonjour. En fait, pour ajouter à la vente ou à la diffusion, il y a un aspect dont vous n'avez pas parlé, c'est la presse. C'est avoir des critiques, c'est d'abord avoir un bon service de presse qui va faire des articles dans des journaux qui seront considérés par le monde de l'édition, de l'écriture. Je pense qu'on va y revenir en suivant un peu le circuit que Stéphane va nous présenter pour faire le travail. Je suis pas sûre qu'un auto-édité ait de la presse. Un bon carnet. En fait, il y a un biais, on va dire, dans l'auto-édition, c'est-à-dire qu'il y a la personne. Quand on est chez un éditeur traditionnel, on présente un livre et c'est le livre qui est vendu. À partir du moment où on est auto-édité, on devient artisan. Donc, on ne vend pas que le livre, on vend aussi la personne, ses capacités. Donc, je pense qu'on va développer ça peut-être en suivant la chaîne de l'auto-édition. Mais clairement, on va dire, il suffirait d'avoir, je ne sais pas, un bon carnet d'adresses parce qu'on a attaché de presse pour une société ou quelque chose. Je pense que c'est plus subtil que ça parce que je ne suis pas sûre que si vous voulez paraître dans Télérama, pour ne pas le citer, dans Le Monde, même dans des journaux Nice Matin par exemple, il y a quand même une démarche à faire et souvent ce n'est pas l'écrivain qui l'a fait. Sinon, je pense que ça doit être mal reçu, sauf si on est Monsieur Goncourt de l'année, quoi. C'est pas faux, oui. Ça va handicaper l'auto-édité, oui, tu soulèves un point qui est important. C'est-à-dire que l'auto-édité venant parler en son propre nom, il risque d'être mal reçu. Oui, mais bon, c'est une question de carrière d'adresse.
Mais, je ne pense pas que les libraires. Bah, en fait, il y a un gros changement aussi ces dernières années, c'est l'image. C'est-à-dire que l'auto-édition avait une très très mauvaise image enfin, quand j'ai commencé il y a 3-4 ans. Toujours, on peut dire. Mais elle s'améliore beaucoup. C'est-à-dire que justement, je viens de parler à l'instant, on n'a pas entendu dans le micro, mais on parle des libraires. Je pense qu'il y a 3-4 ans, vous étiez auto-édité, vous alliez dans une librairie pour proposer d'organiser une dédicace. C'était même pas la peine, quoi. Aujourd'hui, ça se fait, ils ont l'habitude. Et vous lâchez les chiens. Oui, bon, je ne me suis jamais fait attaquer personnellement, mais alors qu'aujourd'hui, des libraires accèdent tout à fait les auteurs auto-édités sur les salons. On parlait toi-même tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, tu avais peut-être déjà moins de demandes. Et tu étais peut-être, j'en sais pas, en tant qu'organisatrice, etc., est-ce que tu étais peut-être plus Matière par rapport aux auteurs auto-édités, alors maintenant, il y en a de plus en plus. C'est pas faux. Donc nous, le festival, on n'est que sur la troisième année, donc je ne vais pas parler d'une expérience sur les années, est-ce qu'on avait des demandes. Par contre, effectivement, j'aurais organisé Miss Fiction il y a 5-6 ans, tu as raison. Je ne sais pas comment, enfin, je me serais posé la question des auteurs auto-édités et on s'est posé la question donc, sur la première édition 2015, parce que c'est un vrai enjeu. Enfin, alors là, je ne veux pas trop déborder, puis ça sera un petit peu long à expliquer, mais quelle place fait-on dans un salon littéraire aux auteurs auto-édités, c'est une question d'organisateur. Et c'est vrai qu'on a eu un abord favorable et je ne suis pas certaine, voilà, personnellement, que, on va dire, en 2010, j'aurais réagi de la même façon. Donc ça évolue. Et après, l'autre élément important par rapport à la presse, et c'est quelque chose de très important dont Sylvie a parlé tout à l'heure, c'est cette espèce d'enthousiasme et d'activité en fait qu'on peut avoir les auto-édités par rapport à des auteurs plus traditionnels qui se reposent vraiment sur leur éditeur en disant bah, l'éditeur il est là pour ça et pour faire ma com. Alors l'auto-édité il sait très bien s'il se lance et qu'il n'est pas très naïf, il sait que quand il se lance auto-édité bah, il faut qu'il se débrouille tout seul. Et donc Sybille disait tout à l'heure que les auteurs sont un peu autistes, peut-être dans l'auto-édition, ceux qui se lancent dans l'auto-édition c'est peut-être ceux qui ont un peu moins peur justement d'aller au charbon, d'aller démarcher des gens comme dit ce matin. Avec plus ou moins de succès, il y en a sans doute qui sont beaucoup refoulés. Moi-même, j'ai essayé, j'ai pas réussi à avoir un autre comme ce matin. Mais qui osent aller justement sur les salons, qui osent aller plus voir les libraires par eux-mêmes. Et alors après, tu parlais de journaux comme Le Monde, etc. C'est vrai, mais les petits auteurs traditionnels, ceux qui n'ont pas beaucoup, ils n'arrivent pas non plus, je pense. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est qu'il y a aussi un autre aspect. C'est que l'éditeur est un commercial quand même. C'est d'abord quelqu'un qui est là pour faire de l'argent, même si c'est avec des chefs-d'œuvre. Et du coup, il a sa propre. C'est-à-dire, on n'est pas autiste, forcément. On ne se repose pas forcément. On est obligé d'attendre. Et ça, je l'ai expérimenté, je connais des auteurs qui l'ont expérimenté, d'attendre qu'on soit dans la bonne fenêtre de tir de l'éditeur, parce qu'il n'a pas que vous à promouvoir. Donc, il est plutôt sur, en ce moment, ça va être, mettons, je dis n'importe quoi, les jeunes hommes qui écrivent sur l'homosexualité ou n'importe quoi. Bon, vous êtes sur la guerre, c'est pas encore là, je vous ai, mais je vous ai. C'est cette impression qu'on a, on n'est pas uniquement, alors qu'effectivement l'auto-édité, il se lance, de toute façon il prend tous les risques. C'est peut-être pas forcément mauvais, c'est-à-dire que l'éditeur voilà, est un commercial qui sent les courants, la mode et tout ça. Donc effectivement ça peut peut-être être frustrant pour l'écrivain d'attendre le bon créneau, mais ça veut dire qu'il y a aussi quelqu'un qui guette le bon créneau pour lui et au moment où il va le placer, c'est le bon moment. Donc c'est un petit peu ambigu. L'auteur auto-édité se lance tout seul, mais ça veut dire que c'est pas forcément un commercial, ça veut dire qu'il a justement pas forcément connaissance de ses influences et de ses courants qui sont importants. L'écriture, c'est un art, oui, mais c'est aussi une mode, c'est aussi une tendance, c'est aussi une façon de faire. Donc, c'est très ambigu, en fait. Je pense qu'il y a vraiment un décalage entre l'écrivain traditionnel. Malgré tout, la plupart des artistes que je connais sont quand même timides, ont des phases, on va dire, de mini-dépression, de repli sur soi. Je ne pense pas que l'auteur auto-édité puisse avoir ce profil. Je pense qu'on va dégager. Moi non. Voilà. Non, intuitif.
intuitivement, je dirais, voilà, c'est deux écrivains quand même différents, ce qui ne préjuge pas du tout, hein, on est d'accord, de la qualité littéraire. Là, je parle plutôt de la façon de vivre son art. Oui, tout à fait. Et par rapport à justement ce lien avec l'éditeur, c'est aussi pour ça que l'auto-édition séduit, je pense, beaucoup de gens qui étaient jusqu'ici des écrivains du dimanche. Quoi. C'est ce côté indépendant. D'ailleurs, de plus en plus d'auto-édités ne se définissent plus comme auto-édités, mais comme auteurs indépendants. Il y a cette notion de j'écris ce que j'ai envie, même si c'est pas dans le courant actuel, c'est pas dans la mode. Je crois que c'est du marketing, ça, c'est plus auteur indépendant, ça fait classe, mais ça reste quoi enfin... Ça fait classe, mais cette notion, elle est réelle. C'est-à-dire, j'écris ce que j'ai envie, comme j'ai envie, en fait. Alors, il y a certains autres éditeurs qui essaient de surfer sur des phénomènes de mode, comme les éditeurs, en disant, bah, tiens, en ce moment, la mode est à ça, j'écris ça. Mais la plupart des autres éditeurs que je connais écrivent simplement ce qu'ils ont envie d'écrire, en fait. C'est plus de dire, bah, je m'en fous que ça plaise à un éditeur ou quoi, j'écris ce livre parce que ça me parle, parce que ça me touche, parce que j'en ai envie. Donc, oui, bon, bien sûr, c'est un terme aussi commercial, mais pas que. Je pense qu'il y a une vraie vérité derrière ce mot-là, plus que l'autorité qui n'est pas très, très joli comme mot. Pour prendre le fil, on digresse beaucoup. Oui, c'est le principe de ce genre de table ronde. En prenant du principe que vous êtes en train d'écrire un livre, vous avez presque terminé un manuscrit, et puis vous dites bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente le circuit traditionnel? Est-ce que je l'envoie à un éditeur? Ou ben, pourquoi pas, je suis venu à cette table ronde de discussion sur l'auto-édition, je pourrais me lancer. Comment ça se passe? Donc là, on met pour l'instant de côté cette notion d'écriture. On part du principe que vous avez un manuscrit que vous trouvez prêt. Sans rentrer dans le détail technique, aujourd'hui, comme je disais, soit vous avez une bonne compétence technique, vous êtes capable de créer vous-même votre livre en e-book, etc. Vous pouvez démarcher des libraires, alors les libraires en ligne pour les e-books, donc tout ce qui est Amazon, Fnac.com, etc. Ou alors vous pouvez choisir le papier, alors c'est pas exclusif, hein, on peut faire l'un et l'autre. Faire imprimer vos livres papier et puis vous les rendre autour de vous, essayer de faire des démarches en librairie, aller sur des salons, etc. Parallèlement, je pense qu'on mettra des liens vers des plateformes. Donc il y a effectivement des plateformes qui normalement proposent les deux supports. C'est-à-dire que vous déposez votre fichier sur leur plateforme, elles vont assurer le lien avec les plateformes à la fois numériques et de l'impression à la demande. Voilà, bah, c'est pareil, mais c'est pas la preuve de la pub, mais pour en termes d'information, on a quand même des grosses plateformes. Il y a Amazon qui le fait, on peut en citer quelques gros en France, il y a Bookelis, Librinova ou Wikibook. Ce sont des plateformes sur lesquelles vous créez un compte, vous uploadez votre fichier, en général simplement format Word ou format texte, et puis ça vous permet ensuite de c'est des organismes qui centralisent en fait et qui ont des partenariats avec tout un tas de sites en ligne. Forcément, si vous faites ça par Amazon, vous êtes uniquement sur Amazon. Et après, toutes les autres plateformes, des partenariats, ils permettent d'avoir des distributions sur toutes les librairies en ligne. Et au niveau du papier, souvent, ils ont des arrangements avec un imprimeur. Et puis, vous pouvez vous-même commander vos exemplaires papier pour les vendre autour de vous sur les salons, etc. Mais également, les gens, votre public, peuvent trouver et commander votre livre en version papier sur les sites dont on parle depuis tout à l'heure, toutes les librairies en ligne. Donc, moi, par exemple, je passe par une de ces plateformes. Bon, bah, si vous tapez mon nom sur Internet, vous pouvez acheter mon livre en e-book ou en papier sur n'importe quel site. Et c'est facile. Alors, moi, j'ai rien fait. Donc, ce sont des facilitateurs, ce genre de plateforme. Et donc, en fait, la connaissance technique, elle est assez limitée. Alors, avoir quelques compétences après, bien de mise en page de Word, de graphisme, etc., ça peut être utile. Et donc, ce sera des bonus. Voilà. À chaque fois que vous avez une compétence, ou mettons que vous avez un ami qui fait des très belles illustrations, vous allez vous rajouter des plus. Mais c'est vrai qu'on va dire, même quelqu'un qui a juste réalisé son texte sur le traitement de texte devrait pouvoir s'en sortir. Oui, et c'est aussi pour ça que ça s'est autant démocratisé, parce qu'en fait, techniquement, c'est assez facile. Alors bon, dans le détail, c'est vrai qu'avoir quelques compétences de mise en page, de graphisme ou d'informatique, ça peut beaucoup aider. Mais, et je vais rajouter avoir du goût. Parce que c'est vrai qu'il y a des... Tu parles de la couverture. Bon, voilà. À un moment, il faut qu'on le dise. On peut être un bon écrivain
Pensez à soumettre la couverture à votre entourage, parce que des fois vous pensez quelque chose est très beau et ça ne l'est pas. Et parfois même, j'ai envie de dire, une couverture simple avec un titre comme en littérature blanche, ça peut être ben, mieux qu'un dessin vraiment affreux. Oui. Et donc, pour reparler à Romain aussi, puisqu'on me pose la question, on parle d'auto-édition, c'est vous-même aussi qui fixez, qui choisissez le prix de vente. Donc, là aussi, il y a des choix à faire en temps, au niveau de l'e-book, au niveau du papier. Donc, l'auteur est éditeur. Donc, c'est vrai que là, ces plateformes-là, elles vous aident, elles fournissent un service de mise en ligne, etc. Mais c'est vous qui devez choisir jusqu'au prix du livre. Alors, le point suivant, on en a déjà parlé en fait un petit peu. C'est, je voulais justement aborder ce côté argent. Donc, la question c'était est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec l'auto-édition ? Donc, la réponse est oui. Alors, c'est possible, hein, mais c'est quand même pas évident. Vous allez vendre donc, vos ouvrages selon deux canaux. Si vous vendez donc, vos livres papier, vous pouvez les vendre, comme je l'ai dit, vous-même autour de vous. C'est-à-dire que vous allez acheter des exemplaires. Alors l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé d'en acheter 1000, vous pouvez en acheter qu'une dizaine ou une cinquantaine au départ, les vendre autour de vous, via des dédicaces en librairie, via des salons, ou via des plateformes en ligne. Via vos amis, si vous êtes quelqu'un de sympathique. Exactement, si vous avez beaucoup d'amis. Donc dans ces cas-là, vous payez forcément votre livre papier à un prix de production, et puis ensuite vous faites la marge que vous voulez en fonction du prix de vente que vous décidez. Et ensuite, si vous vendez votre livre papier via des librairies en ligne, en général ce qui se fait la plupart du temps c'est autour de 15% de alors, pas de droits d'auteur, on insiste bien, je pense, pas des droits d'auteur. De marge commerciale. Mais de marge commerciale que vous faites sur les livres papier. En général, c'est ce qui se fait sur Amazon, etc. Pour le livre numérique, c'est un petit peu différent. Donc là, forcément, vu que c'est un e-book, vous ne vendez que par l'intermédiaire de librairie en ligne. Là, en général, ce qui se fait le plus souvent, les revenus sont généralement de 50% du prix de vente. Donc c'est aussi pour ça que les prix sont nettement inférieurs. Mais voilà, globalement, c'est ce qui se fait. Donc ça a l'air assez simple et génial, c'est-à-dire que vous créez votre compte en ligne sur Bitport, vous uploadez votre fichier, vous choisissez votre prix de vente, et puis voilà, c'est lancé, vous dites c'est super, je vais vendre des livres et faire de l'argent. Après, le piège, c'est de croire que vous allez vendre beaucoup de livres, que parce que votre livre est sur Amazon, par exemple, et qu'il y a des millions de gens qui achètent sur Amazon, vous allez forcément en vendre. C'est une erreur, si vous ne faites pas justement d'efforts de communication derrière. C'est pas parce qu'il y a énormément de gens qui passent sur de sites que vous allez vendre, vous pouvez faire tout à fait zéro vente sur une année, c'est encore autre chose. Avant de reparler plus tard de l'écriture, pourquoi dans l'argent, on parle peut-être justement de statut et de fiscalité. De statut juridique, alors c'est une question qui est un petit peu complexe. Personnellement, je sais que ça fait facilement 10-15 ans que j'observe la question. Donc du coup, je prends la parole. Parce que je pense que de nous trois, je suis la plus à l'aise. Voilà, mais c'est vrai que si on parle d'argent et qu'on en gagne, ça veut dire qu'il faut le déclarer. À un moment, il faut se dire qu'en France, l'auteur auto-édité n'a pas de statut prévu, ça n'existe pas. Donc il faut commencer par cette déclaration. Donc actuellement, on est dans un système de tolérance, c'est-à-dire que clairement, les impôts ne vont pas tomber sur quelqu'un qui vient de vendre 50 exemplaires à 10 euros pièce, ça fait 500 euros. Si on envoyait les fonctionnaires contrôler 500 euros, enfin, je veux dire, on ne s'en sortirait pas. Quoi, ça créerait de l'emploi, donc c'est une autre question. Donc, qu'est-ce qui se passe en France ? Quel est le statut ? Normalement, à partir du moment où on a une activité commerciale, on est un artisan, un commerçant, une SARL. C'est le cadre. Puisque l'auteur auto-édité n'est pas écrivain. L'écrivain, c'est ce... Enfin, alors, écrivain, là, je parle en termes juridiques, fiscalité. L'écrivain, c'est celui qui a proposé son manuscrit à un éditeur et l'éditeur va le rémunérer en droit d'auteur. Donc effectivement, l'écrivain a reçu des droits d'auteur. Ces droits d'auteur se déclarent d'une certaine façon on va dire sur la feuille d'impôt. Après, il y a l'organisme, l'AGESA pour le côté social de l'écrivain. L'auteur auto-édité, lui, il est éditeur. Donc du coup, il n'est plus écrivain.
Donc le produit des ventes de ces livres, ce n'est pas des droits d'auteur, c'est un produit commercial vendu. Donc c'est un peu l'aspect sur lequel je veux insister, parce que ça fait des années que je vois cette espèce de confusion où on se dit, bah, je suis écrivain, je touche des droits d'auteur. Non, tu es écrivain, tu es devenu artisan. Artisan, ça veut dire que tu vas avoir des cotisations sociales auprès d'URSSAF, des impôts, enfin ça devient tout de suite compliqué. Donc, a priori, en discutant avant, on a isolé les deux propositions les plus raisonnables, on va dire. Donc, si vous pensez vraiment, si vous y croyez vraiment, ou si vous faites beaucoup de livres, ou si vous avez l'intention de peut-être de publier des potes, c'est le moment. Enfin, je veux dire, tant qu'à créer un statut juridique, autant penser à ses amis. Il y a le statut de la micro-entreprise. Il me semble que c'est le terme actuel, la micro-entreprise. Oui, on parlait, c'est plus connu sous le terme d'auto-entrepreneur. Alors ça a changé, non, je crois que c'est micro-entrepreneur. Voilà. C'est ce statut-là dont on parle beaucoup depuis quelques Donc, années. ce statut, on va dire, est le plus logique, puisqu'effectivement, il correspond à l'artisan qui a une petite activité et qui a peu d'investissement. Puisqu'a priori, un auteur auto-édité, il a surtout besoin d'un ordinateur, il va pas aller beaucoup plus loin. Donc, ça, c'est un statut, mais c'est un statut qui pose d'autres problèmes. Je veux dire, pour ceux qui ont essayé la micro-entreprise, il y a des charges sociales, il y a des. Oui, c'est pas si anodin. Le. Bon. On va avoir un éclairage un peu plus. Alors, bonjour. Du coup, la micro-entreprise, en fait, est la fusion de ce qui était avant la micro-entreprise, où effectivement, il y avait cette histoire de charges sociales, où en fait, on payait des forfaits, et la troisième année, on était rappelé, ce qui créait des désastres monstrueux, parce que du coup, on n'avait pas forcément anticipé. Mais maintenant, en fait, ils ont inclus l'auto-entreprise, qui est en fait, on paye des charges sociales, on paye un pourcentage sur notre revenu. Donc, en fait, on n'avance pas d'argent. Enfin, on paye. Alors après, bon, il y a tout un tas d'abattements. Moi, actuellement, je paye 15% de mon chiffre d'affaires. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de problème du coup à ce niveau-là. C'est quand effectivement on choisit l'auto-entreprise, et même là, on peut, par acte notarié, protéger sa maison et un certain nombre de biens et dédier un certain nombre de biens à son activité commerciale qui seront récupérés par les huissiers si besoin. Mais quand on prend le statut, ben, du coup, c'est une micro-entreprise maintenant. Mais c'est une option de charge fiscale, quoi. Il n'y a pas de risque. Y a pas de risque. Voilà. On ne risque pas de perdre son argent. C'est plus vrai. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc, c'est un samedi radieux et ensoleillé. Donc, voilà, on va dire, a priori, le vrai conseil, c'est ce statut-là qui, en plus, donc, aurait évolué et correspondrait bien. Un autre statut qu'on peut envisager, du coup, qui devient moins pertinent si la micro-entreprise a beaucoup évolué, ça, voilà. Honte à moi, je ne me suis pas renseignée. Il y a l'association Loi 1901 qui est quand même aussi une bonne solution. Alors, quel est l'avantage de l'association Loi 1901? C'est qu'elle crée un cadre juridique et elle crée un éditeur. C'est-à-dire que l'association va être la personne morale éditrice et l'auteur va redevenir l'écrivain qui perçoit des droits d'auteur. Donc l'association Loi 1901 actuellement, c'est une des personnes morales les plus faciles à faire, puisqu'il suffit d'être deux. Alors avant de commencer la table ronde, Stéphane me disait, mais combien il faut être? Et je lui ai répondu, bon, si vous êtes auteur, vous êtes autiste et tout, vous avez quand même au moins un pote. Et si vous n'avez pas du tout de pote, laissez tomber l'écriture et sortez chercher un pote, quoi. Donc voilà, je pense que sur le côté fiscal, social. C'est intéressant de parler d'association parce que pour être audité et pour voir ce débat très, très souvent sur Internet entre les gens, c'est une solution qui n'apparaît pas souvent, dont on ne parle pas souvent d'association. Et c'est vrai que ça doit être entré dans un cadre juridique plus propre, parce que c'est vrai que le cadre juridique n'existe pas vraiment pour Bah, disons qu'il l'éditer. est, voilà, enfin, l'association, c'est quand même, on va dire, la base. Moi, je sais que ma propre maison d'édition est une association, le Festival de Fiction est une association. J'ai toujours envie de dire, c'est la personne morale la plus simple pour démarrer une activité. Alors, on ne parle pas d'activité commerciale où on va gagner des tonnes de sous. Là, on parle de faire une petite maison d'édition pour publier quelques ouvrages. Hein. On ne se lance pas dans la spéculation.
Ah oui, et puis bon, c'est vrai aussi pour la micro-entreprise, puisque le statut de micro-entrepreneur, il y a des plafonds de revenus maximum sur l'année. Alors, il me semble que c'est un peu plus de 30 000 euros sur l'année. Bon, pour gagner plus de 30 000 euros avec votre unité, il faut vendre déjà un sacré paquet de livres. Et si vous déplacez ce plafond, bah, à ce moment-là, vous pourrez créer une autre structure, une vraie entreprise à ce moment-là. Pour ça, je pense que... Voilà, il n'y a pas de souci et je vous le souhaite. Donc, ne négligez pas l'aspect juridique, c'est-à-dire que vous avez au moins deux formes qui sont assez faciles. Donc, vous avez décidé de devenir auteur auto-édité, allez jusqu'au bout, ne vous arrêtez pas juste à la fabrication du livre. Faites vos démarches, on va dire, administratives, faites les choses bien. Voilà, et puis, puisqu'on est dans les formalités, il y a d'autres choses aussi. Alors, si vous ne publiez qu'en e-book, vous n'avez pas spécialement d'autres formalités pour l'instant à faire. Par contre, à partir du moment où vous publiez un ouvrage en papier, il vous faudra acquérir déjà un numéro ISBN, donc c'est l'International Standard Book Number. Ouais, t'as vu mon anglais. Et ça permet d'identifier de façon unique un livre et une édition. Disons, je vais reprendre le fil. Ce qu'on a dit en début, c'est vous êtes auteur auto-édité, vous devenez un éditeur. Donc l'éditeur, dans les démarches qu'il doit faire, c'est acquérir sa liste de numéros ISBN, faire le dépôt légal. Donc peut-être on fera même un article là-dessus, on pourra développer, puisque bien sûr l'idée de cette première table ronde, hein, c'est de développer les points au fur et à mesure. Et donc, puisque vous devenez éditeur, il y aura des démarches d'éditeur. Voilà, il faut avoir conscience que... Voilà. Alors, ce n'est pas forcément des démarches très compliquées d'obtenir un numéro ISBN. En plus, si vous passez par une plateforme d'auto-édition, la plupart, elles vous le fournissent elles-mêmes, etc. Mais il faut le savoir. Et puis, là, tu parlais du dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France. Là aussi, il n'y a rien de très compliqué, mais il faut s'inscrire en ligne sur la BNF, il faut remplir un formulaire. Et il faut envoyer à la BNF un exemplaire papier de votre ouvrage pour qu'il soit référencé. Donc ce sont des genres de petites formalités auxquelles on ne pense pas forcément. Et si on veut être vraiment carré et faire son travail d'éditeur, pas d'écrivain, mais d'éditeur correctement, c'est des choses qu'il faut faire. Alors moi, je vais vous faire rire avec une petite anecdote, parce qu'en entendant ça, je repense. Il y a 20 ans, même plus, mais il ne faut pas que trop je le dise, parce que sinon, voilà. La première fois que j'ai fait un dépôt légal, allez, c'était en 1991, j'ai eu une enquête de moralité du commissariat de police. Alors c'est rigolo parce que j'avais tout juste 18 ans. Et donc l'enquête de moralité a consisté en un policier qui appelait ma mère pour savoir si j'étais une gentille petite fille. Et ce qu'on voit moins aujourd'hui, je pense, enfin, je n'ai pas connaissance de ça, mais c'est rigolo parce que le monde a vraiment beaucoup évolué. Aujourd'hui, tout le monde édite. Et à l'époque, je me souviens, ça m'avait frappé. Donc, c'était une formalité un petit peu spéciale. Oui, alors que c'est vrai que maintenant, c'est à la fois très simple à faire et assez rapide. Le site de la BNF est très très bien fait. Les formalités sont très très claires. Donc, mais bon, faut savoir qu'il faut le faire. Parce qu'il y a beaucoup d'autorités qui ne le savent pas et qui ne le font pas. Si je peux me permettre, là, c'est la bibliothécaire qui va parler. C'est pas pour être référencé uniquement, c'est pour être conservé qu'il a la BNF. Parce qu'il ne le jetteront jamais. Ce qui n'est pas forcément rassurant. Mais il y a même des flyers à la BNF, même des flyers, les imprimeurs les déposent. Donc. J'imagine que mes tout premiers fanzines sont quelque part dans la BNF. Ouais, peut-être qu'un chercheur sera intéressé un jour. Mais c'est sûr. Après, si, ça s'est simplifié peut-être pour la littérature générale. Mais pour la littérature jeunesse, il y a toujours une surveillance. Parce que oui, il faut y penser. Alors, c'est vrai que nous, on a tendance à oublier la littérature jeunesse, puisqu'on parle, non, mais surtout dans la SFF. Oui, mais c'est qu'il y a beaucoup d'autorités qui écrivent pour la jeunesse aussi, et ils ne sont pas forcément au courant. La jeunesse est couverte, alors je pense que c'est une loi, c'est pas un décret, voilà, il y a une loi qui couvre la littérature jeunesse et le contenu, ce qui est normal, hein, le contenu du livre. Donc effectivement, si vous êtes en littérature jeunesse, bon, normalement c'est l'éditeur qui se pose la question, posez-vous la question, enfin, c'est pas anodin. Et maintenant, c'est vrai que pour le numérique, donc la BNF, alors moi ça m'a impressionné, pareil, ramasse le contenu du web. Oui, ça, il était question d'imposer aussi le dépôt légal pour les e-books, mais du coup ça demanderait une tâche monstrueuse, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'e-books. Et du coup, mais il y a un dépôt légal, il y a un dépôt légal, en fait, c'est le,
C'est la BNF elle-même qui fait des collectes automatiques par des espèces de robots pour essayer d'avoir un stockage le plus représentatif possible. Donc, tous les e-books ne sont pas à la BNF, mais a priori, il y a une collecte automatique par... Je pense qu'à partir du moment où vous avez fait vos démarches, où vous êtes déclaré, vous avez mis le site web sur lequel vous publiez, je pense que voilà, le livre sera ramassé dans leur collecte. Sans doute. Alors, ce que je sais, c'est que si vous publiez en e-book et en papier, à partir du moment où vous faites le dépôt légal pour la version papier, la version e-book est collectée. Et attention, vous devez avoir deux numéros ISBN différents. Oui, tout à fait. C'est... Oui. Ben, je me suis fait avoir une fois, alors je le dis. En fait, c'est toutes ces petites choses, voilà, je pense qu'on développera ça sur des séries d'articles. C'est tous des petits détails. Je me suis fait avoir la première fois, j'ai mis le même numéro ISBN. Bon, après, c'est pas un crime d'État. Mais bon, enfin, si je l'avais lu dans un manuel, je n'aurais pas fait quoi. Oui, c'est vrai que si vous avez, c'est un numéro par livre et par édition. Donc c'est vrai que si on a deux supports, ce sont deux éditions différentes, il vous faut deux numéros ISBN pour la version e-book et pour la version papier. Voilà, tout ça pour dire que, au final, alors c'est très caricatural ce que je veux dire, mais presque un auteur traditionnel, il a essentiellement à s'occuper de l'écriture. C'est-à-dire que lui, s'il a une compétence et une seule à avoir, c'est celle d'écrire. J'ai même un éditeur qui me dira, si tu penses la même chose, mais j'ai même un éditeur qui m'a dit récemment que même s'il faisait pas mal de fautes d'orthographe, c'était même pas dramatique, parce que c'est pas son rôle, il y a des correcteurs. Je plus sois totalement. L'important chez un auteur, c'est le style. Après, j'ai envie de dire le correcteur. Parce que ça, alors, du coup, je rebondis, hein, j'en profite un peu, c'est une table ronde. J'ai vu cette méconnaissance circuler. Oui, il faut bien écrire, il ne faut pas te faire de faute d'orthographe. Et honnêtement, moi, ça me hérisse le poil quand je vois associé bien écrire, pas de faute d'orthographe. Bien écrire, savoir une musique, savoir une langue, savoir une façon de s'exprimer, de manier les mots. L'orthographe, c'est important, c'est sûr. Hein, quand on lit un mail bourré de fautes, je peux vous dire que ça m'éclate. Mais l'orthographe, c'est un autre métier. Il y a un autre métier que l'éditeur maîtrise. Alors, c'est sûr que moins il a à corriger, et plus c'est agréable pour lui. Mais lui, sait faire ça. Donc, un auteur doit avoir du style. Et un auteur qui ne fait pas de fautes d'orthographe, qui met bien les virgules, mais qui n'a aucune voix, ben, ça passe pas. Donc, je plus sois totalement. L'important, c'est la langue, l'expression. Donc, il n'a pas forcément, l'auteur traditionnel, à s'occuper de ça, puisqu'il sait qu'il y a un correcteur derrière. Et limite, il pourrait parler dans un dictaphone et transmettre à une secrétaire son écrit, quoi. Parce... Je veux dire. Mais par contre, l'auteur auto-édité, lui, il n'a pas pouvoir se passer de cette compétence. Donc aujourd'hui, l'une des mauvaises images qui colle à l'auto-édition, c'est uniquement ça, déjà, au niveau de la forme. Des manuscrits qui sont bourrés de d'orthographe. Il y a un concours, je sais qu'il y a des appels à texte régulièrement d'un concours que je connais. Ils ont un tiers des manuscrits qu'ils reçoivent qui sont éliminés juste parce qu'il y a plus de X fautes d'orthographe par page. Donc un tiers, je ne sais pas si on peut étendre vraiment ça, est-ce qu'on peut généraliser à toute l'autre édition, mais on ne doit pas en être loin, je pense. À mon avis, quand on voit les mails qu'on reçoit au quotidien, je pense que un tiers, ce n'est pas beaucoup. Hein. Voilà, donc c'est pour aborder un chapitre qui concerne justement les compétences multiples qu'on doit avoir quand on est auto-édité. Si on est auteur traditionnel, on peut peut-être se contenter juste d'avoir un bon style et d'écrire bien. C'est pas le cas quand on est auto-édité, il va falloir multiplier les compétences. Je vais faire une parenthèse, donc on va parler des compétences qui entrent en œuvre quand on réalise un livre. Donc finalement, ces compétences dans le circuit traditionnel pourraient être faites par l'écrivain, puis par l'éditeur qui a des correcteurs. Donc là, on va parler des compétences, mais vous avez le droit d'avoir des amis, vous avez le droit d'avoir un entourage. Donc, voilà. Si vous avez un style et que vous avez fait des fautes d'orthographe, mais que votre chérie, elle a du temps à perdre et qu'elle ne fait pas de fautes d'orthographe, c'est bon, la compétence est acquise, vous pouvez cocher l'item. Voilà. Mais du coup, c'est plein de choses auxquelles on ne pense pas. Alors, il y a l'orthographe. Il y a des choses complètement anodines auxquelles on ne pense pas non plus, mais je parle de mise en page. La mise en page est un vrai travail également. La typographie. Alors, je pense qu'il y a un enfer de temps pour les gens qui impriment. Moi, je fais beaucoup de parenthèses, voilà, parce que c'est en typographie. Donc, il y a un enfer de temps pour les gens qui impriment sans avoir relu la typographie.
La typographie, ça paraît bête, hein, c'est des guillemets, c'est des tirets, mais ça peut rendre un dialogue totalement illisible, ça peut rendre une scène complètement insensée. Donc la typographie n'est pas à négliger. Et malheureusement, il faut le dire, autant vous pouvez avoir un pote, un vieux professeur, un vieil instit qui maîtrise l'orthographe, autant trouver quelqu'un qui maîtrise la typographie, ben, c'est chaud. Donc je pense que sur ce sujet-là, il faut aller voir des guides, il faut aller voir des sites en ligne. Pareil, on essaiera d'en proposer, parce que ça, enfin, la typographie, ça ne s'est pas appris à l'école. Et je ne sais même pas où ça s'apprend, en fait. Enfin, là, comme ça, moi, je sais que j'ai appris sur le tas, en ligne. Je ne sais pas s'il y a... Une autre piste à suivre aussi sont certains outils, des logiciels, etc., d'aide à l'écriture, qui permettent aussi de corriger un grand nombre de fautes de typographie auxquelles on n'a pas conscience. Et, dont on n'a pas conscience. Voilà. J'ai correction. Donc voilà, ce sont des compétences. Donc déjà, on voit qu'au niveau bureautique, informatique, là où un auteur éventuellement traditionnel peut se contenter d'avoir un manuscrit papier, il va falloir une compétence informatique, d'écriture, de typographie, d'orthographe. Et ensuite, avoir quelques compétences supplémentaires en informatique, ça peut être utile. On parlait tout à l'heure des plateformes d'audition qui vous aident, qui sont des guides. Par exemple, pour transformer un ouvrage écrit sur un traitement de texte lambda en version e-book, la plupart des plateformes d'auto-édition le font pour vous ou peuvent vous aider. Seulement, quand on est auto-édité, en général, on aime bien avoir la mainmise dessus. Des fois, ça peut être plus ou moins bien fait. Moi, je me suis mis à vouloir essayer d'apprendre à le faire moi-même pour créer mes propres fichiers, pouvoir retoucher tout. Bon, bah, aujourd'hui, grâce à Internet, on a quand même beaucoup de tutoriels en ligne, de logiciels. Quand on cherche, on trouve. Mais c'est aussi de l'investissement si on veut apprendre à savoir faire, à maîtriser les différents formats. On parlait des liseuses électroniques, bon, bah, Amazon a son type de liseuse, c'est un format particulier, les autres e-books, c'est un autre format. Si avec un logiciel vous pouvez convertir un fichier, ça ne va pas forcément être lisible. Je continue mes parenthèses. Donc, surtout dans le milieu SF, on a Jean-Claude Dugnat qui est écrivain, qui avait fait un tutoriel pour la création d'e-book. Donc pareil, on donnera le lien. Donc il y en avait pas mal, et c'est vrai qu'on avait un de nos auteurs SF qui avait... On va le lire. Oui, donc c'est vrai que maintenant, c'est quand même la magie d'Internet, avec énormément de tutoriels, de forums d'entraide, etc. Si vous cherchez l'info, vous allez la trouver. Mais ça veut dire aussi qu'il faut avoir un bagage de base technique en informatique pour comprendre un petit peu tous ces éléments-là et être à l'aise. Je connais beaucoup d'auteurs qui pagayent un petit peu avec ce genre de notions-là. C'est, en fait, l'auteur édité va développer la compétence à avoir des potes, en fait. Je dirais que ça va rendre sociable et ça va sortir l'autiste de derrière son ordinateur. Oui, c'est vrai qu'on va continuer à parler de ces différentes compétences multiples. C'est difficile pour une personne de cumuler tout ça. Si je peux me permettre, quand on écrit, quoi qu'on écrive, hein, même un rapport administratif, on a besoin d'être relu, parce qu'à un moment, on ne voit plus ses erreurs. Donc je pense qu'on ne peut pas porter tout seul cet aspect-là. Il faut quelqu'un pour... Moi, personnellement, je ne suis pas spécialement mauvais en orthographe. J'utilise un logiciel spécialisé qui aide à l'écriture, qui corrige énormément de fautes. J'ai une amie très proche qui est très très douée en orthographe, qui me relève tout un tas de coquilles. Sur un pavé de 500 pages, il reste toujours des coquilles. La correction, le métier de correcteur est un vrai métier. Et même si vous avez en entourage quelqu'un qui est doué, ça vous permettra déjà de publier un document qui est très lisible. Par contre, on n'arrivera jamais à atteindre le niveau de perfection d'un correcteur professionnel. Alors aujourd'hui, un auto-édité qui réussit à avoir un petit peu, à gagner un peu d'argent, a tout intérêt à payer un professionnel. Après, il faut avoir le budget pour se payer un correcteur professionnel, ce qui n'est pas toujours facile. Mais je pense que même quelqu'un de très doué, qui a une amie qui est prof de français ou quoi, on n'obtient pas le même résultat. Disons qu'en matière de correction, moi j'ai tendance à... Ça y est, je bug. Je dirais qu'il faut multiplier les lecteurs. C'est-à-dire que si on a un ami qui doit en orthographe, on peut en avoir deux qui ne sont pas mauvais. Et l'ami doué, on va dire, va trouver le gros des fautes. Mais voilà, il faut multiplier les regards. Sachant de toute façon que avant cette étape de correction orthographique,
On a dû multiplier les lectures et les regards sur l'œuvre pour la bêta-lecture. Donc peut-être on est allé un peu trop loin avec l'orthographe, on retourne en arrière sur la bêta-lecture. Oui, parce que c'est vrai qu'en général, on parle de la correction d'orthographe en tant qu'un peu de dernière étape, même avant la mise en page. Ce qui est très important et pas assez pratiqué justement dans l'auto-édition, c'est ce qu'on appelle la bêta-lecture. C'est-à-dire que même les plus grands auteurs ont des versions... Alors, l'éditeur joue ce rôle aussi de lecteur professionnel. Je dirais que c'est le gros bêta-lecteur d'après l'éditeur. Oui, la plupart des grands auteurs ont des gens proches qui relisent, qui sont leurs premiers lecteurs. C'est ce qu'il y a derrière ce terme. Et l'une des tâches les plus importantes, je pense, hein, et je me communique beaucoup sur ça sur Internet aujourd'hui, un des plus gros intérêts de l'auteur auto-édité aujourd'hui est de réussir à s'entourer, à se créer une équipe de bêta-lecteurs. Alors le bêta-lecteur, les premiers quand on débute et qu'on ne connaît personne, bon, bah, ça va être des gens de la famille ou des amis, mais ça ne suffit pas parce que ce sont des lecteurs déjà qui ont un biais parce qu'ils nous connaissent, et ensuite qui n'ont pas forcément de compétences littéraires ou d'écriture. Alors ils peuvent vous dire ce qui leur a plu, ils ont un avis de lecteur, de pur lecteur, mais tout l'intérêt de réussir à se développer dans l'auto-édition et à communiquer avec d'autres auteurs auto-édités, de créer un peu son réseau, c'est de réussir à avoir des personnes à qui relire, qui ont vraiment une expérience de lecture. Et là, j'insisterai sur l'existence d'ateliers d'écriture. Alors, si vous avez un atelier d'écriture IRL dans votre ville, c'est génial. Donc nous, c'est ce qu'on essaie d'ailleurs de faire à Nice Fiction, c'est de développer des rencontres entre écrivains. Mais il y a également des ateliers d'écriture en ligne sur des forums. Donc, dans notre idée, notre auteur auto-édité, il a quand même accès à Internet, il a accès à un ordinateur. Donc, c'est très important d'aller vers d'autres écrivains. Donc, ne restez pas avec votre maman qui adore ce que vous faites, parce qu'effectivement, elle adore ce que vous faites, mais c'est votre maman, c'est pas un lecteur critique. Sur la toile, on trouve beaucoup de communautés, on trouve beaucoup d'autres écrivains. Rencontrez des écrivains. Un écrivain, il n'est pas bon seul. Donc, pensez à ça. Et surtout, on va dire, votre pire ennemi, c'est votre ego. Donc on va avoir tendance, on a fait un texte, on est content de soi, votre maman elle est super contente, elle est fière, hein, son petit l'a écrit, sauf que pour l'instant c'est encore mauvais parce que c'est votre premier texte, et votre premier texte il est mauvais, enfin c'est mathématique. Donc allez vers les autres écrivains, soumettez votre texte, et surtout quand ils vont vous dire c'est mauvais, ben, parce que ça l'est, acceptez et entendez-le. Et si vous l'avez entendu, si vous avez noté les points pour lesquels c'était mauvais, bah déjà, vous avez fait le gros. Oui, et puis ce sont des communautés, donc ça veut dire aussi qu'avant aussi de recevoir, il faut aussi donner. Lisez les textes des autres aussi, auto-édités. Parce que autant c'est difficile de critiquer son propre texte, on n'est pas critique sur son propre texte, on a du mal à se rendre compte de ce qui est bon ou pas, que ce soit un point du style narratif ou même d'orthographe. Et les incohérences, surtout parce que nous on connaît l'histoire, exactement. Donc on ne s'aperçoit pas du tout que le personnage ne fait pas du tout ce qu'on croit et qu'on a raconté le contraire. Exactement, et on se rend compte qu'on est beaucoup plus critique sur les textes des autres, mais du coup c'est très intéressant de lire les textes des autres avec un œil critique et de se rendre compte finalement, parce que ça m'arrive des fois de faire des bêta-lectures et de critiquer en disant mais là ça va pas du tout ce que tu fais là. Puis je prends un peu de recul, je fais, ah oui, mais c'est ce que je fais aussi. Et en fait, ça permet de se prendre conscience de ses propres défauts, de lire les textes des autres. Et l'aspect communauté est très important. Il y a de plus en plus, de forums, etc. Il y a d'un point de vue de plus en plus professionnel aussi avec les MOOC, qui sont organisés souvent par des universités ou par des éditeurs eux-mêmes. Pareil, je ne sais pas si je peux faire un peu de pub. Mais si, parce que de toute façon, on est là pour apprendre les choses et je pense qu'au fil du temps, donc l'idée, c'est de développer la conversation après. Donc, voilà. Chacun d'entre nous va citer les sources qu'il connaît et d'autres personnes arriveront et viendront en citer d'autres. Voilà, moi, je participe depuis des années à un MOOC qui s'appelle Écrire une œuvre de fiction qui est dirigé par David Mullman, c'est un éditeur parisien, des éditions aux Forges de Vulcain. Donc, ça dure quelques semaines par an. Il y a une vidéo chaque semaine, des exercices à faire. Et surtout, c'est une communauté, il y a un forum, donc tout le monde poste ses textes de réponse aux exercices, tout le monde communique, et c'est un MOOC durant lequel, normalement, en face des exercices, vous travaillez votre propre texte, vous avez un projet de roman, de projet de fiction. Et à la fin des X semaines, il y a un temps de réécriture où il y a des lectures croisées entre les auteurs, et à la fin, vous pouvez soumettre, si vous avez envie, votre livre, un espèce de concours. Donc il y a souvent 20, 30, 40 romans en compétition, et là par contre c'est l'éditeur qui lit et qui va dire ben voilà, j'attribue un prix qui est purement honorifique, mais c'est intéressant de se confronter justement d'abord au regard des autres auteurs auto-édités
Et ensuite, éventuellement, on regarde de professionnels de l'édition qui vont vous faire un retour dessus. Et donc, les MOOC, il y en a d'autres qui sont organisés aussi par des universités, etc. C'est gratuit, il suffit d'avoir une connexion Internet et d'investir un petit peu de temps. Aujourd'hui, il y a peut-être justement trop d'auteurs et auto-édités qui dépensent leur temps en marketing et en communication et pas assez en travail d'écriture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les Français, ils rêvent d'écrire, mais ils n'ont pas envie d'apprendre à écrire, comme parfois les jeunes musiciens veulent apprendre la guitare parce qu'ils veulent faire le solo de Intel, mais ils n'ont pas la patience de dire bah, « je sais que ça va me prendre des années d'apprendre mon solfège et d'apprendre des bases ». Donc si on veut perdurer, il faut accepter, comme dit Sybille, qu'on n'est pas bon au départ et que ça va prendre du temps. Je veux dire, c'est un art, comme tous les autres. La plupart des gens ont conscience que s'ils se mettent à la danse, à la peinture ou à la musique, ça va prendre du temps avant de devenir bon. Et un peu bizarrement, je ne sais pas si c'est purement français, mais on a l'impression qu'écrire, ça va de soi et que n'importe qui peut devenir un bon écrivain en un an. Le souci de l'écriture, je me suis posé la question, le souci d'écriture, c'est qu'on l'apprend à l'école, contrairement à la danse, au chant. Et quand on est petit, on fait des rédactions et tout le monde croit qu'il est en capacité d'écrire. Et écrire, c'est pas faire une rédaction quand on était petit. Donc je pense qu'il y a effectivement un biais sur cet art, parce que c'est un art banal, enfin, qui est utilisé, on va dire, comme disait Dounia, le moindre rapport administratif, le moindre mail. Ah, ça y est, je sais écrire. En fait, c'est pas ça écrire. Et j'ai presque envie de dire, à l'heure des nouvelles technologies, où effectivement, on a ouvert la porte à une auto-édition plus facile, on a aussi ouvert la porte à du contact plus facile. Et l'écrivain ne peut pas travailler seul. L'écrivain doit se confronter, doit rencontrer les autres. Justement, pour rebondir sur ça, moi aussi, je suis inscrite sur un forum où ce sont des tout jeunes, ils ont l'âge de mes enfants, même pas. Et en fait, ça c'est nouveau, je pense, en France, c'est que l'artiste écrivain n'est plus un artiste maudit. Et que ça nous vient un peu des États-Unis. Hein. Il y a des très grands écrivains, ils ont tous des équipes de lecteurs, ils écrivent avec d'autres gens, ils sont dans des espèces de clubs d'auteurs. Et au lieu de se tirer dans les pattes pour avoir la bourse du prince, puisque c'était ça au XVIIe siècle, maintenant ils écrivent ensemble et après chacun. Et puis bon, je dis, on peut pas faire plus individualiste qu'un Américain. Donc du coup c'est assez. Désolée à tous les amis. Mais c'est pas forcément une critique dans leur c'est les self-made men, ça vient de chez eux. Donc du coup c'est ça qui est nouveau et que l'auto-édition a peut-être permis. On n'est pas en train de se battre à 4000 pour que quelqu'un daigne voir ce qu'on fait. Ça donne quand même une légitimité à une création plus. Les peintres, dès le 19e siècle, ils se réunissaient en salon, ils faisaient des choses extraordinaires et ils avançaient. L'écrivain était toujours. Je pense qu'il y a des écrivains dans certains milieux aisés qui devaient se rencontrer. C'est juste que maintenant, on en prend plus conscience à notre niveau à nous. Il n'y avait pas Internet. Il y avait des correspondances. Oui, mais enfin bon, ça, c'était quand même. C'est comme de dire avant, tous les enfants savaient lire. 15 enfants voilà. À l'école. Oui. Clairement, il y a une évolution, une démocratisation des outils. Et c'est aussi extraordinaire, c'est une aventure humaine. Parce que c'est vrai que, moi, par exemple, avant de publier mon premier roman, je n'étais pas réseau sociaux, je n'avais ni Facebook, ni Twitter, ni rien du tout. Je m'y suis mis un peu forcé, parce qu'on m'a dit que de toute façon, si tu veux en parler de toi. Il faut y être, et finalement on rencontre des communautés, on rencontre plein de gens motivés qui sont partout en France, et finalement c'est assez extraordinaire de se confronter. Mais ça veut dire aussi oser mettre son texte en lecture, parce que finalement il y a plein de gens, des auteurs du dimanche qui adorent écrire, mais ils écrivent dans leur coin de dimanche, ils ne font jamais lire à personne, et finalement il y a une vraie trouille au départ de mettre son texte à disposition des gens. Mais il faut accepter d'être lu et d'être critiqué. Alors en général, la communauté est très très bienveillante, un peu trop même, je pense, que les autres auteurs qui vous critiquent ont tellement peur que vous les critiquez en retour qu'ils ne vous disent pas forcément tout ce qu'ils pensent ou ils sont un peu trop gentils dans la critique. Mais ça peut être compensé par le nombre, à partir du moment où vous êtes très très actif et vous faites lire par plein de gens, vous finissez par vous entendre très bien avec certaines personnes et voir que lesquelles vous font des critiques un peu plus poussées que d'autres qui sont un peu gentillées. C'est un aspect relationnel qui est très important aussi. C'est-à-dire que si vous voulez devenir demain auteur auto-édité,
il faut savoir qu'au niveau relationnel, il va falloir donner du vôtre. Alors, sur Internet, c'est une chose, mais c'est vrai que on parlait d'enthousiasme tout à l'heure. Si vous voulez aussi vendre quelques livres au papier dans ton toit, il va falloir aussi, jouer la couleur locale. C'est-à-dire qu'aller dans les salons, vous êtes niçois, vous venez des marchés civils pour être à Nice Fiction, vous allez voir un peu les libraires de votre quartier. Il y a des salons du livre. Aujourd'hui, il y a des salons du livre dans plein de villes et villages de la région. Il y en a vraiment beaucoup. Je dirais... Et aujourd'hui, ils ne sont plus tout à fait fermés à l'auto-édition. En plus. Plus tout le temps. Et je dirais, avant de vous lancer dans l'auto-édition, je veux dire, vous avez fini votre manuscrit, vous dites, ça y est, je suis prêt à être auteur auto-édité. Prenez votre temps. Alors, le problème de beaucoup d'artistes, je pense, c'est la patience. C'est-à-dire, quand on a fini une œuvre, on a vraiment envie qu'elle soit lue, aller la montrer, tout ça. Et moi, il y a une petite expérience qui m'a frappée, c'est donc j'ai commencé à écrire, on va dire, un peu comme tout le monde, vers 10 ans, mes premiers poèmes à 15 ans, première nouvelle vers 18-19 ans. Et un des textes dont j'étais vraiment contente a été publié 15 ans plus tard. Alors c'est terrible parce que ça veut dire que des années sont passées. Et je me suis amusée, j'ai pris donc la date de création de chaque texte et j'ai regardé sa date de publication effective. Et voilà, donc, entre un texte et sa publication, bon, surtout peut-être pour la nouvelle, il peut y avoir facilement 10-15 ans. Et là, je me suis dit, oulala, quand j'avais 20 ans, on m'aurait dit ça, mais c'était super effrayant. Donc, peut-être, maintenant que vous avez fini votre manuscrit, allez donc sur les forums, allez dans des salons, parlez à des auteurs auto-édités. L'auteur auto-édité qui est dans un salon, il ne va pas avoir du monde devant lui toute la journée. Donc, si vous engagez la conversation, enfin, si vous êtes sympathique et vous sentez bon, hein, je veux dire, vous engagez la conversation, déjà, ça va être agréable pour lui, parce que ça va lui faire passer un petit moment de la journée. Il va commencer à échanger avec vous, vous dire peut-être qu'il est dans un atelier d'écriture qui se trouve dans votre ville et tout ça. Donc, commencez par rencontrer les gens sur Internet, dans les salons. Et quand vous allez rencontrer les gens, quand vous allez trouver peut-être une petite communauté, vous êtes aperçu que votre voisin, il écrit aussi. À ce moment-là, envisagez l'auto-édition peut-être, mais pas trop vite. Soyez patient. C'est vraiment, pour moi, le principal défaut de l'auto-édité, c'est l'impatience. Alors, c'est ce qui attire aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on vous dit que votre manuscrit est terminé, quand vous dites « oui, j'ai un manuscrit », le circuit traditionnel, ça veut dire l'envoyer à un éditeur. Souvent, on vous dit « c'est plusieurs mois, 6 mois, 1 an, avant d'avoir une réponse ». Donc, rien que ça, ça freine beaucoup de gens. Ils disent « mais je vais pas attendre 1 an avant de savoir si mon livre va être publié ». Même s'il est publié, après, il faut des mois. Les grosses maisons d'édition, elles ont déjà leur calendrier qui est fait pour les 2 ans à venir. C'est-à-dire que moi j'écris de la fantasy, les grosses maisons d'édition, les plus connues, jusqu'à fin 2018 ou 2019, c'est bouclé déjà. Quoi. C'est-à-dire que même si votre manuscrit va les intéresser, ils vont dire peut-être que je veux publier en 2020. Donc forcément, ça a aussi attiré beaucoup de gens vers l'auto-édition, en disant moi le premier d'ailleurs, en disant mais moi. J'ai envie que mon manuscrit, quand il est prêt, il est publié. Et c'est presque aujourd'hui trop facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre manuscrit, il est terminé, plus ou moins bien terminé. Et aujourd'hui, vous vous connectez en ligne sur une plateforme dont on parlait tout à l'heure, vous uploadez votre fichier, vous uploadez votre couverture, et puis le temps de quelques jours, ça soit référencé sur les libraires en ligne, et puis votre site, en quelques jours, votre livre, il est publié. Et ça va presque un peu trop vite. Et là, on rentre après dans des mécanismes plus compliqués aussi, mais le système économique qui s'est mis en place autour de l'édition ces dernières années, fait que en termes de rentabilité pour gagner de l'argent, les auto-édités sont plus poussés à produire. C'est-à-dire que le but, c'est de publier beaucoup d'ouvrages. Et là où un auteur traditionnel, même les plus connus, publie rarement plus d'un livre par an, on a beaucoup d'auto-édités qui sortent un livre tous les 3 ou 4 mois. Et du coup. Et honnêtement, là, enfin, je n'avais même pas idée de ça, et c'est de la folie, hein, si on rapporte ça au temps d'écriture. Moi, l'idée que un écrivain puisse avoir ressorti 4 livres ou 5 livres par an, ça me fait... On va rarement jusqu'à ce niveau-là, mais c'est vrai que 2 ou 3 par an, c'est assez courant et c'est énorme. Et moi, je me souviens très bien d'un salon où j'étais, où j'avais un auteur à côté de moi et avec qui on discutait. On avait des ouvrages à peu près de la même taille. Puis forcément, on en vient discuter, et puis il me demande combien de temps j'ai passé à écrire mon livre. Je lui dis 18 mois. Et il a rigolé, et il était presque fier de me dire « Moi, je l'ai écrit en 4 mois ».
Et il était fier, et il n'est pas de s'en rendre compte qu'il n'est pas toute crédibilité au niveau de la discussion, parce que... Alors après, il y a toujours, on fait des exceptions, hein, je veux dire, on a un esprit scientifique, il y a forcément en France une ou deux exceptions, des gens qui sont en capacité d'écrire un bon livre en 4 mois. Et c'est des exceptions, et comme par définition statistiquement, vous n'êtes pas une exception, vous n'êtes pas ce génie de la littérature, moi, il me semble, voilà, six mois, un an, déjà, ça me paraît... À chaque fois, on cite Stephen King, mais... Oui, tout le monde n'est pas Stephen King. Voilà. Et même Stephen King, il a écrit quelques ouvrages en très peu de temps, mais si on regarde toute sa carrière, il publie rarement plus de livres par an. Ça lui est arrivé d'écrire un ou deux bons bouquins en un ou deux mois, mais même pour lui, qui est une exception, ces livres-là sont des exceptions. Et je pense qu'en plus, c'est faux. C'est-à-dire qu'on dit qu'il a écrit le bouquin en un ou deux mois. Il s'est mis sur son ordinateur peut-être et il a écrit le résultat d'un processus créatif qu'il avait enclenché peut-être il y a 20 ou 40 ans et il a écrit en 2 mois. Donc ça, personne n'écrit en 2 mois. C'est-à-dire qu'en 2 mois, peut-être qu'on fait la version finale, mais un grand écrivain qui passe son temps à réfléchir et tout ça, à accumuler des données, à faire des tests, à peut-être faire des brouillons avant. Donc, si c'est votre premier ouvrage, c'est pas possible. Enfin, c'est pas à un moment, il y a quand même une technique derrière. Donc, mais c'est vrai que pour être moi dans ce flux, c'est pas évident de se freiner, parce qu'en fait, la communauté est très très productive. Et puis on est tiraillé comme souvent entre qualité et productivité. C'est-à-dire que si on veut gagner un petit peu d'argent, on sait que si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, vous avez une petite communauté, vous avez la chance d'avoir quelques petits fans grâce à votre premier bouquin, on vous pousse tout le temps à sortir le prochain. Et en fait, vous voyez les autres auteurs autoédités qui, tous les 3-4 mois, sortent une nouvelle version, un nouveau bouquin, puis vous dites « Ah ouais, mais moi, le mien, je ne publierai pas avant plus d'un an. Cette année, je ne publierai rien. » Et on a cette pression, en fait, cette pression sociale des autres, en fait, qui fait que se dire, moi je vais prendre le temps, moi je vais l'envoyer en bêta-lecture, mais là je vais laisser au moins un mois ou deux mes bêta-lecteurs pour le lire, me faire les critiques et le retoucher, alors que les autres publient à tout va, c'est difficile de se dire, moi je vais être patient et je vais essayer de faire les choses bien. Je vais faire du coup une déclaration à la mode, mais je crois que finalement, on va sortir quelque chose de ça, c'est surtout ralentissez. Oui, ça va être la mode du slow writing. Mais je lisais un ouvrage il n'y a pas longtemps d'un chercheur qui étudie justement les grands classiques, les Flaubert, etc. Parce que ce qui est intéressant aussi à l'époque, c'est que justement tout était des manuscrits, donc ils ont toutes les versions de brouillon, justement les premiers jets, second jet, etc. Et à l'époque, il fallait plusieurs années pour que ces gens-là sortent des bouquins. En général, ils les ont écrits 3 ans, 4 ans, 7 ans. Et plus ça va, et plus ça se réduit. Et on se dit, bon, ce sont des grands maîtres en littérature, mais oui, mais ils ont peut-être passé 10 ou 20 fois plus de temps à écrire un livre que les auteurs d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas forcément faire le raccourci en disant, plus vous passez de temps sur un livre, meilleur il est. Et en effet, il y a des exceptions aussi des gens qui vont écrire des bouquins très bons en très peu de temps. Mais en effet, il faut peut-être être un peu humble aussi en disant, je suis peut-être moins dans la moyenne, et il faut peut-être que je travaille un minimum dessus. Et dans l'auto-édition, j'en connais beaucoup d'auteurs de réalité. L'auto-édition ne manque pas du tout ni d'inventivité, ni d'imagination, ni quoi que ce soit. C'est des gens qui sont plein d'enthousiasme, qui ont plein d'idées. Il y a parfois des idées géniales. Mais parfois, quand je lis des livres auto-édités, je me dis, c'est dommage, parce qu'il y a d'excellentes choses, et je suis sûr que l'auteur lui-même, il aurait pu l'améliorer en bossant en dessus quelques mois de plus. Du coup, vu que l'heure tourne, je pense qu'on va terminer, parce qu'on s'est beaucoup arrêté sur l'écriture, qui est forcément super importante, mais comme ce n'était pas une table ronde sur l'écriture, mais plutôt sur l'auto-édition, on va terminer les métiers à connaître. Donc on a commencé par le bêta-lecteur, le correcteur. Il y a le graphisme, on en a parlé tout à l'heure de la couverture. Alors, la couverture, c'est très important. De plus en plus, là aussi, il y a des tutos, des articles en ligne pour donner des conseils sur comment faire une couverture propre et convenable. Alors, je fais une parenthèse. Donc, le vert fluo, le jaune fluo, le violet fluo ne sont pas des couleurs. Quelque chose à penser. Une des problématiques, c'est si vous êtes auteur de l'imaginaire, puisque on parle de science-fiction et c'est plus auteur de l'imaginaire. Autant pour un polar, une romance, etc., il est très courant de faire des couvertures avec des photos. Donc vous pouvez trouver des photos de livres de droit sur Internet, ou même si vous êtes un peu doué, avoir quelqu'un qui est photographe, faire des photos simples qui fonctionnent. Dans l'intérieur de l'imaginaire, hélas ou tendu, moi j'aime ça, mais c'est vrai qu'on est habitué à des couvertures, des illustrations.
Or, là, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des illustrations libres de droit, il faut trouver un illustrateur. Et puis, libre de droit, je dirais, il faut peut-être éviter ce biais parce qu'on réalise un livre. Donc, moi, enfin voilà, je déconseillerais quand même l'illustration classique, banale, oui, qui va être reproduite. Exactement. Donc, c'est vrai qu'il faut penser à ça, que si vous êtes auteur de l'imaginaire, de la SF ou de la fantasy, vous dire bah, comment je vais faire ma couverture. Soit vous y croyez et vous avez trouvé des. Alors, grâce à Internet aussi, on peut trouver votre des petite des sœur n'est pas une illustratrice recevable. Peut-être que si, et à ce moment-là, tant mieux, mais c'est vrai que si vous connaissez quelqu'un, c'est super. Moi, ce n'est pas mon cas, j'ai cherché autour de moi au départ, j'écris la fantasy, donc je voulais absolument une illustration, et donc je paye un illustrateur. Donc c'est aussi un budget qu'il faut prévoir, et ça fait partie des compétences à avoir. En illustration et au graphisme, parce que si vous sortez un livre en version papier, il faut faire le fichier avec la quatrième de couverture, etc. Je vais continuer avec mes parenthèses, mais donc une illustration, ça coûte cher. Mais par exemple, plutôt pour Noël, plutôt que vos proches vous offrent un bon d'achat Fnac, et bien peut-être qu'ils peuvent vous offrir l'illustration de votre roman. Et alors, ça paraît peut-être bébête dit comme ça, mais si l'illustrateur vous remet l'original et que c'est dans un cadre chez vous, vous n'avez pas perdu ou change. Donc, pourquoi pas vous faire offrir une illustration ? Ah, mais c'est une bonne idée. Et puis aujourd'hui, grâce à Internet, on trouve justement des contacts. À une certaine époque, si on ne connaissait pas son entourage, c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a quand même plein de gens, d'illustrateurs, plus ou moins amateurs, qui font du très bon travail et qui acceptent ce genre de travaux. Plus ou moins professionnels. Oui, non, mais c'est vrai, mais il y a des gens qui font des très, très belles choses sans forcément être des illustrateurs très connus. Alors, si vous arrivez à vous payer un illustrateur connu pour votre couverture, c'est chouette. Mais on peut avoir des très belles choses. Et n'hésitez pas à demander les prix à des illustrateurs qui vous plaisent, parce que vous pouvez avoir un illustrateur qui, on va dire, a une baisse dans ses commandes, un petit peu temps libre, qui, comme il sait. Alors, la distribution compte dans la valeur d'une illustration, c'est-à-dire qu'un illustrateur ne peut pas vendre au même prix une illustration qui va être reproduite à 50 000 exemplaires ou à 100 exemplaires. Donc vous présentez votre projet, vous expliquez que vous êtes auto-édité, que vous espérez une vente, on va dire, de 100 exemplaires, et peut-être que le tarif sera acceptable. C'est pour ça, pourquoi ne pas se le faire offrir, pourquoi ne pas vous faire plaisir? En plus, je pense qu'il y a un côté affectif, c'est-à-dire que l'illustration d'un livre qu'on a fait, enfin, je trouve qu'elle a beaucoup plus de valeur à nos yeux qu'une illustration lambda. Donc, redécouvrez la notion de plaisir. Et puis, une autre chose que je tenais, c'est que ça permet aussi de faire l'illustration dont on rêve soi-même. C'est-à-dire que des fois, l'auteur n'a pas forcément de compétences ou d'idées en disant bah, « voilà, mon livre, ça parle de ça, fais-toi plaisir ». Mais moi, j'avais une idée très précise de l'illustration que je voulais. Et c'est génial de pouvoir faire une illustration sur mesure en disant ben, « voilà, là, ça correspond vraiment bien à mon livre, j'ai une illustration qui la reflète vraiment ». Mais c'est vrai que c'est un réel plaisir pour un auteur. Surtout dans l'édition traditionnelle, on dit aussi souvent que l'auteur n'a pas forcément voix au chapitre. C'est l'éditeur qui souvent fait des propositions, ou choisit ou pas. Alors, je ne sais pas si... Effectivement, je confirme, je ne laisserai pas un auteur choisir sa couverture. Je suis désolée, mais ce n'est pas possible. Enfin, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai un peu parlé de notion de goût. Après, si l'auteur a du goût, on peut se mettre d'accord. Mais je veux dire, à partir du moment où on investit de l'argent pour vendre un ouvrage, on ne peut pas se permettre que le goût personnel de l'auteur entre en jeu. Enfin, ce n'est pas une critique, hein, c'est une réalité économique. Donc pour l'auto-édition, bah c'est la même balance que ce qu'on est depuis le début. C'est-à-dire qu'à la fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, donc c'est super, vous allez pouvoir faire la couverture dont vous avez envie. Avec le revers de la médaille, savoir que si c'est pas assez professionnel, ça va carrément handicaper aussi vos ventes, puisque bah, la couverture, que ce soit en ligne ou en réel, c'est la première chose qu'on voit et c'est ce qui attire ou pas l'œil. Donc le graphisme, c'est important, et puis le marketing, puisque vos livres pas se vendent tout seuls. Et les auto-édités sont de plus en plus nombreux, sont vraiment des milliers. C'est-à-dire qu'on a vraiment du mal à se rendre compte avant de rentrer dans ces communautés, avant d'être sur les forums, sur les MOOC, et de se rendre compte vraiment à quel point il y a un nombre monstrueux d'ouvrages auto-édités qui paraissent tous les ans. Donc si vous lancez dans l'auto-édition, vous serez vraiment une goutte d'eau dans un océan gigantesque. Donc c'est pas parce que votre livre sera en ligne sur une grosse plateforme libraire que vous allez en vendre, vous allez dire « Ah, je vais en vendre au moins 3-4 par mois ». Non, vous faites zéro si vous ne faites pas la moindre démarche.
On a beaucoup parlé du relationnel, d'aller rencontrer les autres écrivains, d'aller sur des salons. Tout à l'heure, Dounia a évoqué le problème de la presse. Alors, la presse traditionnelle, clairement, vous êtes un auteur auto-édité, vous n'avez pas de carnet d'adresse, vous n'aurez pas un papier dans Le Monde, ça n'existe pas. Par contre, aujourd'hui, il existe en parallèle à la communauté des auteurs auto-édités, il y a eu un développement des blogueurs. Donc c'est un support qui existe. Alors pareil, les blogueurs vont être envahis de services de presse, donc ils ne vont pas forcément être intéressés d'emblée. Mais je pense que ça peut être un bon point de départ. Bien sûr, bah, en plus les blogueurs, alors il y a le phénomène des booktubeurs aussi, hein, qui font des vidéos YouTube sur les livres, c'est de plus en plus à la mode aussi. Ces gens-là, c'est pareil, il en existe. La plupart sont des particuliers comme vous et moi qui essayent d'avoir du succès avec leur chaîne. Donc forcément, convaincre un booktuber qui a 100 000 abonnés de lire votre livre et d'en faire la critique, c'est pas facile. Par contre, il y en a plein d'autres plus modestes qui vont le faire avec plaisir. Bon, j'ai obtenu plusieurs critiques sur des blogs ou sur des chaînes YouTube. Donc là aussi, il faut aller vers eux, il faut leur offrir certains exemplaires de votre ouvrage, et en les démarchant et en étant sympa, et si le pitch les intéresse et que la couverture leur plaît, c'est vraiment des choses qui fonctionnent. On n'a pas parlé du pitch, on pourrait revenir dessus, c'est pas mal. Enfin, c'est quelque chose qu'on a négligé, on a parlé de la couverture, on a parlé de beaucoup de choses. Donc... Oui, parce que c'est vrai qu'on parle de quatrième de couverture, mais souvent là aussi c'est l'éditeur qui l'a fait, dans la version traditionnelle, c'est pas l'auteur. C'est forcément l'éditeur, j'ai envie de dire. Oui. Donc, et l'auteur a beau être un bon auteur et avoir écrit un livre, c'est vrai que savoir rédiger le résumé de son livre, sa quatrième de couverture ou son pitch, c'est un talent particulier. C'est toujours très dur quand on veut raconter une histoire de dire en quelques mots. Alors là, j'aurais envie de dire, invitez les amis qui ont apprécié votre livre à vous reparler du livre, de vous raconter l'histoire. Ça peut être pas mal. Déjà, c'est un retour pour savoir ce qu'on a raconté. Parce que je pense que tout écrivain est confronté à ça. On raconte une histoire et quand on écoute ce que le lecteur a lu, ben on tombe des nues. En fait, on n'a pas du tout raconté ça. Et peut-être que ça peut être un exercice intéressant. Faites-vous raconter l'histoire par quelqu'un d'autre. C'est toujours une question que je pose dans mes questionnaires de bêta-lecture. C'est-à-dire que quand je demande un retour sur mes bêta-lecteurs, je demande déjà, résumez-moi en moins de 5 lignes l'histoire. Quoi. Et c'est vrai que... si vous avez à avoir un résultat assez homogène entre les différentes personnes, c'est pas mal, mais le plus du temps, vous avez des grands écarts entre les descriptions. Et ça va vous permettre d'isoler ce que les gens ont connu, ce qui les ont frappés, et de vous dire qu'est-ce que je propose au lecteur en face de moi. Oui, tout à fait. Après, en plus, on va peut-être distinguer, il peut y avoir le quatrième de couverture et on se fait un petit pitch à côté commercial quand on va démarcher un blogueur, quand on va présenter l'œuvre. On a parlé des formes marketing, on va dire, en réel, mais c'est vrai que si vous voulez être aussi crédible, la notion d'auto-édité aussi, elle a cette notion de crédibilité, c'est-à-dire qu'il faut se professionnaliser et montrer qu'on est un auteur sérieux. Ça passe aussi par le fait d'avoir éventuellement une page internet, une page d'auteur, une page Facebook, un compte Twitter. Donc il y a les connaissances informatiques et d'usage. Mais avoir une page internet au-delà de la compétence technique, de dire j'achète un nom de domaine, je prépare ma page, qu'est-ce que je mets dedans? Et en général, justement, c'est un petit résumé, un petit pitch. On reprend la quatrième de couverture, est-ce qu'on fait autre chose? Il y a toutes ces notions-là qui sont... Pareillement, du coup, on va faire une petite étape là-dessus. Donc, soyez présents sur les réseaux sociaux, ça paraît évident à notre époque. Donc, bien sûr, une page Facebook, peut-être un compte Twitter, mais il faut l'alimenter. La question du blog, je dirais, puisque le blog va attirer assez naturellement l'écrivain, le blogueur est quelqu'un qui écrit, le blog est un support en ligne. Donc, méfiez-vous du blog dans le sens, si le blog n'est pas alimenté, c'est triste et ça va donner une mauvaise image. Donc, il n'est pas forcément évident de trouver le bon support de présence sur Internet. Si vous êtes peu, on va dire, peu enclin à faire des contenus, essayez peut-être de trouver des communautés avec des pages, on va dire, où il y a plusieurs auteurs. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Oui, mais c'est tout ça, on parle de plein de compétences, mais ça veut dire aussi plein de temps. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que sur une semaine, moi j'ai la chance d'avoir pu organiser mon activité professionnelle pour avoir beaucoup de temps pour l'écriture. Il faut se rendre compte qu'être présent sur les réseaux sociaux, alimenter son blog, écrire un article pour le blog, tweeter, ça prend énormément de temps. Et si on le fait, il faut le faire bien. C'est-à-dire que justement, le blog peut être une belle vitrine.
Et ça peut être au contraire un repoussoir s'il n'est pas assez alimenté ou s'il est moche. S'il est mal alimenté. Oui, s'il est mal alimenté ou s'il est moche. Alors du coup, j'avais écrit des articles, il faut que les articles soient intéressants, il faut qu'ils soient bien écrits. Je continue mes parenthèses. Un jour, je m'appellerai la fille aux parenthèses. Une chose que je dis aux auteurs dans mes conseils, on va dire, c'est quoi que vous écriviez, écrivez toujours comme un écrivain. Moi, il y a un truc qui me frappe, c'est le statut Facebook. Quand je vois des écrivains, donc des gens qui savent écrire, qui savent raconter des histoires et qui vous font un statut Facebook ennuyeux, mal écrit, je me dis qu'est-ce qui se passe, comment on arrive à, on va dire, cet état de fait. Donc, considérez l'écriture comme un sport perpétuel. Vous allez au boulot en marchant, là, vous marchez, c'est un sport. Donc, quand vous écrivez la moindre chose, la moindre ligne, quand vous envoyez un mail à un pote pour lui raconter une anecdote qui vous est arrivée, mettez-vous dans la peau de l'écrivain. Ce qui fait que vous transformez ce temps qui paraît inutile, ce temps passé sur Facebook, sur les réseaux, sur les forums, vous le transformez en exercice permanent. Et vraiment, plus ça avance, plus je me dis ça. Y compris avec un tweet de 140 caractères. Voilà. Et écrire une bonne histoire. Savoir résumer votre pensée et pensez-y, je ne sais pas, un truc, une anecdote qui vous arrivait au travail et vous voulez le raconter à un pote, vous envoyez un message, comment vous lui racontez l'histoire, comment vous situez les personnages. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a quelques années, où quand je raconte, bon, il vous arrive un truc au boulot et vous le racontez donc à quelqu'un d'extérieur au boulot, comment vous décrivez vos collègues, comment vous isolez de chaque personnage autour de vous son caractère essentiel qui va permettre à votre interlocuteur, votre pote qui ne connaît pas, de se remémorer la fille qui a un grand chapeau, la fille qui met du lait dans son thé tous les matins. Et transformer votre vie en exercice d'écriture permanent. Oui, parce que tu parlais que le plus important pour un auteur, c'est son style. Et le style, il n'y a rien qui peut vous apprendre à avoir un bon style. C'est quelque chose qui s'acquiert avec le travail, avec le temps. Et donc c'est vrai que c'est important. Et je suis choqué moi aussi par des fois des statuts Facebook ou des messages Twitter. De gens qui savent écrire, oui. Et on comprend rien de ce qu'ils viennent de raconter. On se dit mais c'est pas la même personne quoi. Pire des fois des statuts, des posts de pub pour leur ouvrage qui sont soit trouvés de faute, soit vraiment. Ça c'est rédhibitoire, hein. C'est vrai que faire la pub pour un ouvrage, donc vraiment ayez cette démarche le style c'est la façon dont vous vous exprimez, donc si vous n'êtes pas capable au quotidien de bien parler, moi j'ai du mal à imaginer que vous sachiez raconter une histoire derrière, alors c'est un petit peu peut-être élitiste et peut-être je ne pourrais pas dire ça, mais voilà, comment vivez-vous l'histoire au quotidien? Dans l'idée, je suis tout à fait d'accord. Sur le point des compétences autres que l'écriture, on arrive un peu à faire le tour, mais comme on l'a vu, hein, faut pas être réfractaire ni à certaines formalités administratives, on l'a vu avec la fiscalité, etc. Réconciliez-vous avec l'administration, avec vos amis, avec les salons. L'informatique, le graphisme, le marketing, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont gênés avec ce genre de marketing, c'est-à-dire qu'ils sont allés pour écrire, mais pas pour se vendre. Mais c'est vrai qu'on parle de tout ça et en fait on ne parle pas non plus de l'écriture. On a parlé un petit peu tout à l'heure d'orthographe, de grammaire, de typographie. Il y a aussi tout l'aspect dramaturgie, narration. C'est-à-dire que quand il y a quelques années j'ai voulu me mettre sérieusement à l'écriture, la chose que j'ai faite c'est que j'ai acheté de nombreux ouvrages. J'ai pas fait de formation littéraire à la base, même si j'ai toujours beaucoup lu. Donc il y a aussi toute une notion de dramaturgie, c'est-à-dire comment on raconte une histoire, comment on construit ces personnages, tout le côté de la dramaturgie. Il y a tout un tas de choses, de théoriciens. C'est aussi intéressant de s'intéresser à toutes ces choses-là. Et aussi, donc déjà, s'y intéresser, on va dire, en théorie, et quand vous regardez un film, quand vous lisez un livre, posez-vous des questions. Ne soyez plus un lecteur, un spectateur passif. Au moment où vous ressentez une forte émotion, à ce moment-là, dites-vous qu'est-ce que je viens de ressentir et pourquoi je l'ai ressenti. Donc c'est assez intéressant quand on se met par exemple à pleurer devant un film, on se dit tiens, je me suis mis à pleurer. Alors moi ça m'arrive, hein, j'avoue, donc je me mets à pleurer et là tout de suite je me dis bon, qu'est-ce qui a fait dans le dialogue, dans la situation, dans la scène que j'ai pleuré, et appropriez-vous ces outils. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que
Mais en même temps, avoir quelques bases théoriques. Oui, il ça, faut les savoir. Voilà, ça permet d'être de comprendre justement, d'avoir un peu des bases théoriques, d'avoir lu le théoricien de la dramaturgie, etc. Ça permet de mieux comprendre. C'est-à-dire que des fois, on se pose la question pourquoi j'ai pleuré. Sans base, on va pas trouver la réponse. Voilà. Et je sais pas en fait ce qui m'a fait pleurer. Avec des bases théoriques, justement, ça nous permet de dire ah oui, je comprends parce qu'il s'est passé ci, parce que ça a fonctionné comme ça, et ça permet de reproduire ensuite dans ces histoires. Et c'est vrai que toute émotion, pleurer, rire. Qu'est-ce qui m'a fait rire, qu'est-ce qui m'a fait peur, pourquoi je suis si perturbé, pourquoi ça me fait réfléchir ce film. Quand vous racontez, je reviens un peu sur l'idée, quand vous racontez à un pote une histoire qui vous est arrivée, vous la trouvez drôle, est-ce que vos potes rient? Enfin, c'est un truc bête, mais une question que je me pose depuis quelques années. Comment on arrive à faire rire quand on a ri soi-même de quelque chose? Et des fois, vos potes vous regardent avec un air blasé, et là, vous vous dites, non, là, je suis pas bon, quoi. Enfin, j'ai pas encore trouvé le ressort dramatique. Oui, c'est très vrai. On arrive au bout, non? Bah, vu l'heure, je pense qu'on a pas mal passé le sujet. On peut peut-être arriver sur le bilan. Je fais un petit bilan avantage et inconvénient, et puis on passera aux questions s'il y en a. Pour faire un résumé à l'auto-édition, beaucoup de gens s'y lancent. Premièrement, parce que c'est gratuit. Je vais peut-être mettre un petit label, mais si vous voulez éditer votre ouvrage sans dépenser un centime, c'est possible. Justement, vous ne publiez qu'en e-book. La plupart des plateformes justement d'auto-édition vous permettent de distribuer votre ouvrage de façon gratuite. Alors, un bémol, c'est que justement, gratuit, si vous limitez à l'e-book, si vous avez des compétences dont on a parlé tout à l'heure, de graphisme, de correction, etc., et que vous avez réussi à vous débrouiller vraiment tout seul de A à Z. Ce qui n'est pas forcément évident de publier vraiment pour 0€. Mais c'est possible. Et en tout cas, ça reste accessible, puisqu'on n'est plus comme dans le format d'avant, où il fallait avancer de l'argent pour éditer 1000 exemplaires de livres. Comme on l'a vu, c'est aussi accessible à tous, avec encore une fois un bémol, c'est-à-dire que comme on l'a vu, il faut être quand même très motivé et persévérant. Vous ne pouvez pas vous contenter de vous lancer là-dedans en disant bah, « Moi, je me sens un bon écrivain, je vais auto-éditer. » On l'a vu, il faut avoir beaucoup de motivation, des compétences et de l'implication. Même les compétences que vous n'avez pas, vous allez pouvoir les acquérir. Il va falloir passer du temps et passer avoir beaucoup de persévérance pour tout ça. Un autre avantage, c'est le contrôle total. C'est-à-dire que là, par contre, l'éditeur va vous imposer la couverture, la quatrième de couverture, de retoucher des passages, publier ce que vous voulez. Alors c'est un risque aussi, parce que publier ce que vous voulez, ça veut vouloir dire aussi très mauvais texte, très mal écrit. Mais vous pouvez mettre la couverture que vous voulez, publier le texte que vous voulez, à part éventuellement pour la littérature jeunesse où il y a un contrôle, mais sinon, vous écrivez ce que vous voulez. Et aussi au rythme que vous voulez. C'est-à-dire que le système vous pousse à produire beaucoup. Mais en fait, si vous êtes vraiment un écrivain du dimanche, qui écrivez juste le dimanche matin, vous pouvez publier un roman tous les 3 ans, c'est pas un souci, vous êtes totalement libre. Si vous avez envie de faire une pause d'un an pour une raison professionnelle, il n'y a aucun problème. Et dans l'autre sens, si vous voulez produire très vite, il y a cette rapidité et cette de parution. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible de publier très vite. Un manuscrit qui est terminé, si vous en avez un vous-même ou dans votre placard, dépoussiérez un petit peu, bah, dans quelques jours, il peut être en ligne sur Amazon. Une autre possibilité liée à l'impression à la demande, au niveau du papier ou à l'e-book, c'est que le bouquin est évolutif. C'est-à-dire que par le passé, vous avez imprimé vos 1000 exemplaires. Si jamais vous trouviez une coquille, ben, vos 1000 exemplaires étaient imprimés, vous les vendez comme ça. Aujourd'hui, si vous repérez une coquille une semaine après la sortie du livre, vous mettez à jour votre fichier, vous le renvoyez, et les prochains acheteurs qui vont acheter votre livre, ils auront le livre sans coquille. Donc il y a aussi cette évolution, vous pouvez faire évoluer votre couverture, par exemple. Au début, vous n'aviez pas de budget, vous aviez une couverture un peu moche. Vous avez quand même réussi à vendre quelques exemplaires de votre livre, vous avez gagné un peu d'argent, vous dites, bon, bah, la couverture, il faut vraiment que je la refasse. Vous faites une couverture, vous uploadez votre fichier, votre couverture est changée. C'est valable pour la couverture, c'est valable pour le corps de texte. Et puis, il y a cette notion de droit, c'est-à-dire qu'avec un éditeur traditionnel, en général, vous cédez vos droits, donc les droits ne vous appartiennent plus. En tant qu'auto-édité, le livre reste vôtre. Imaginons que vous vendez des dizaines de milliers d'exemplaires. Que Stephen Spielberg. Voilà. Vous restez maître de vos droits. D'ailleurs, à cette notion, on n'en a pas parlé, mais les droits du livre sont séparés entre l'édition numérique et papier. Et alors, c'est pas très fréquent encore en France, c'est plus aux États-Unis, mais ça va sans doute venir aussi. Il est tout à fait possible de céder vos droits papier à un éditeur traditionnel, qui va sortir votre livre sur papier, et de conserver soi-même ses droits numériques. C'est une question de négociation, après, ça dépend de votre poids dans la négociation au niveau de l'éditeur.
C'est un éditeur qui n'édite pas en version numérique et qui vont vous accepter de vous laisser vos droits numériques. Vous allez pouvoir continuer à éditer vos livres en e-book, alors que l'éditeur traditionnel va distribuer vos livres en papier. C'est quelque chose qui est en train de se développer un petit peu. Donc c'est plein d'avantages. Bon, c'est aussi pas mal d'inconvénients. On l'a dit, vous devez tout faire. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout en gras et en majuscule. Voilà, donc tout, être compétent et avoir beaucoup de temps, ce qui n'est pas si évident. Non, donc ça veut dire être soit particulièrement autonome et compétent dans plein de domaines particuliers, soit, on l'a dit, et nous c'est ce qu'on conseille, d'être très bien entouré, c'est-à-dire de réussir. Ou alors être riche et avoir des esclaves, ça marche aussi. Oui. Oui, mais à ce moment-là, c'est plus gratuit. Ah, si, esclaves aussi, ça marche. On l'a dit tout à l'heure, il y a cette gestion de la patience. Il faut une volonté de faire pour ne pas publier à tout va et prendre le temps d'écrire des choses, de faire les choses bien, d'avoir des métalectures, de faire des réécritures multiples, de passer l'étape des corrections. Il faut accepter aussi en termes d'ego d'être une goutte d'eau dans l'océan, parce que c'est vraiment ça. Au départ, on ne se rend vraiment pas compte de la taille de la communauté d'auto-édition, qui est absolument gigantesque. Il faut accepter aussi de se heurter à une mauvaise image de l'auto-édition. C'est-à-dire qu'elle s'améliore, et moi je pense qu'elle a fait vraiment d'énormes progrès en quelques années. Mais n'empêche qu'il faut aussi accepter que sur des salons, quand vous allez voir des gens de la presse ou des libraires, accepter parfois qu'on vous regarde un petit peu devant en disant « Non, mais vous êtes auto-édité, vous n'êtes pas un vrai auteur. » Et puis, faut avoir envie de se bouger, il faut avoir une démarche active pour se rapprocher d'autres professionnels du livre, d'autres auteurs auto-édités. Et prendre cette patience de construire son carnet d'adresse, je ne pense pas qu'on devienne un bon auteur, que ce soit traditionnel ou auto-édité, en peu de temps. Donc il faut aussi avoir cette conscience de dire bon, ça va peut-être prendre du temps avant d'évoluer. Et puis, très, très chronophage, quoi. Si vous espérez vendre, le temps passé en marketing, en communication, si vous voulez passer tous les week-ends sur les salons de livres de votre région, si vous voulez passer du temps sur les réseaux sociaux, en communication, c'est conséquent, c'est un temps qu'il faut ajouter à votre temps d'écriture. Donc soit vous n'avez pas beaucoup de temps d'écriture, et à ce moment-là, ce temps de communication peut vous bouffer, vous allez sortir un premier livre et que vous allez peut-être passer tellement de temps à communiquer dessus que votre deuxième va peut-être mettre du temps à arriver, soit réussir à le jongler avec votre temps personnel. Donc c'est quelque chose dont il faut avoir conscience quand on démarre dans l'auto-édition. C'est clair que si vous avez un emploi à temps plein et que vous passez tous vos week-ends soit à écrire, puisqu'il faut écrire, soit à préparer les livres, soit être en salon, on voit qu'il faut avoir un entourage qui comprenne la démarche, quoi. C'est pas... Mais c'est vrai que, on disait tout à l'heure, les auto-édités sont souvent des gens passionnés. De toute façon, je pense qu'il faut de la passion. Il faut vraiment aimer la littérature, aimer l'écriture pour se lancer là-dedans. Sachant qu'il y a une autre activité dont on n'a pas parlé et qui me semble absolument primordiale quand on est auteur, c'est qu'il faut lire. C'est-à-dire que je pense qu'avant d'aimer écrire, on aime tous lire. Mais il faut continuer à se garder le temps de lecture, parce que je pense que c'est le carburant. On a un auteur, on a vraiment besoin de beaucoup lire ce que font les autres. Alors, auto-éditer, mais continuer aussi à lire. Lire, observer, aller au cinéma, il y a un temps de recherche. Le temps de recherche, c'est pas que aller se renseigner sur comment se passe tel truc si je dois le décrire. Le temps de recherche, c'est aussi tout le temps qu'on passe à observer les autres activités artistiques. Oui, tout à fait. Et y a certains auteurs qui disent parfois « Moi, j'ai arrêté de lire d'autres auteurs parce que je veux pas que ça m'influence, etc. » Bon, ça, c'est la grosse connerie. Donc, c'est important de se garder un gros temps de lecture. Donc, en effet, il faut avoir un entourage qui accepte que vous êtes passionné. Donc, de toute façon, votre vie va être absorbée. Je pense qu'à partir du moment où on est un artiste, notre vie est quand même absorbée par notre art. Et on va dire que l'auto-édition va amplifier ça, puisque au temps artistique, on va rajouter un temps technique, un temps de diffusion, un temps de rencontre monstrueux. Donc, ça veut dire que ça va devenir votre vie, quoi. Voilà. Et si vous adorez ça... Faut le faire. De toute façon, on n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir, mais ne mésestimez pas le temps que ça va vous demander. Ni les retombées, que ce soit financières ou de célébrité. Mais ce qui est vraiment fascinant avec l'auto-édition, c'est justement de pouvoir être confronté à des lecteurs. C'est-à-dire qu'on écrit, en général, c'est pour être lu. Et ceci qui est exceptionnel, c'est que ça permet, il y a une grande liberté, on touche assez rapidement un public et de se confronter au public. Il ne faut pas se dire, mon premier roman, c'est un chef-d'œuvre et je vais en vendre des milliers d'exemplaires. Il faut
faut se dire, mon premier roman sera un premier roman, je vais le confronter à des lecteurs, je vais avoir des retours, j'essaierai de faire mieux sur le second, etc. Et vous le considérez comme un mode de travail. Après, si on a du succès, tant mieux. C'est vrai qu'il y a on a parfois des gens, je suis super ravi d'avoir des gens qui reviennent et qui me disent qu'ils ont passé un super moment avec mon livre et qui mettent des super commentaires sur Amazon. Mais alors, on peut éventuellement se lancer dans l'auto-édition pour vendre, pour l'aspect financier, mais en général, c'est pas ça. La plupart des écrivains écrivent juste pour écrire et être lus, mais l'auto-édition permet ça, d'être lu. Mais il faut avoir conscience que justement, il faut s'en remettre son dégoût de côté, accepter les critiques et essayer de faire mieux, quoi. Donc du coup, je pense qu'on a terminé un petit peu, on a saoulé tout le monde, c'est bon, tout le monde s'est endormi. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, une petite question quand même, non, même pas. Ah. On oblige le public à se lever, toujours la même. On n'a pas de rôdis pour passer le micro. Alors, du coup, j'ai vu que se développait presque à la place de l'éditeur une nouvelle branche qui était en fait l'agent littéraire, qui est en fait l'impresario, le manager, comme il y en a dans plein d'autres domaines artistiques. Et du coup, je voulais savoir si vous en aviez et ce que vous en pensiez. Alors, c'est une très bonne question parce que dans certains pays, l'agent littéraire est un métier très, très connu et très développé. Par les États-Unis, par exemple. En France, moins. Même pas du tout. Enfin, c'est un métier qui n'a pas trouvé sa place en France actuellement. Et effectivement, il y a une demande de ce côté-là. Oui, parce que l'agent littéraire est un métier intéressant, hein, même dans de l'édition traditionnelle. Et la France est à ce jour réfractaire à ce métier. Mais tu as raison de dire que ça se creuse là, depuis justement quelques années. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont souvent les plateformes d'auto-édition qui ont souvent dans leur rang des gens du domaine. Et de plus en plus de plateformes d'auto-édition proposent ce service à leurs auteurs en disant vous êtes auto-édité chez nous, je vois que vous avez fait pas mal de ventes, là, ça démarre bien votre livre, ça marche bien. Si vous voulez, on propose votre manuscrit à des éditeurs qu'on connaît, puisque c'est des gens qui se connaissent tous, de toute façon, sur l'auto-édition, ils connaissent les gens d'édition, etc. Et ils vous proposent en disant si vous voulez, je propose votre manuscrit, mais à ce moment-là, on signe un contrat chez votre agent littéraire, si jamais on signe. Je serais assez prudente sur la démarche, comme c'est un métier qui débute, on va dire, on ne peut pas encore savoir si la personne a une bonne réputation, tout ça, donc je serais assez prudente. Hein. Oui, moi ça a été mon cas, on m'a proposé ce genre de choses. Pour l'instant, je me sens bien dans l'auto-édition, donc l'édition traditionnelle n'est pas un objectif pour moi pour l'instant, donc pour l'instant j'ai préféré me mettre en retrait à ce sujet. En sachant que justement l'auto-édition a pas mal bouleversé mon éditorial ces dernières années. Et personnellement, je pense que l'édition est en pleine mutation en France aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc pour l'instant, en effet, je suis un peu prudent, j'ai de voir un peu ce qui se passe. Il y a d'autres démarches qui se font avec des formes de labels. Ce sont des éditeurs qui ont une démarche éditoriale, comme un éditeur, mais qui vous propose aujourd'hui de signer un contrat sans céder vos droits. Vous êtes libre de partir du jour au lendemain. Il y a d'autres formes. L'édition se cherche un petit peu à avoir été bouleversée par l'auto-édition, parce qu'on se rend compte qu'il y a... Alors, quand même... On ne fait pas l'auto-édition pour bien dire les choses. L'édition a été bouleversée par l'émergence de nouvelles technologies. Oui, voilà. Donc l'auto-édition est un de ces bouleversements, mais il y a, enfin, oui, il y a vraiment... Le format numérique en soi... Le format numérique. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, avec la pression à la demande, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on pourrait très bien... Alors, les gens ne vont pas le faire parce qu'il y a du boulot derrière, mais on pourrait très bien estimer qu'à côté d'ouvrages qu'on espère vendre 1000, 2000 exemplaires, on se ferait plaisir, on sélectionnerait un poète qu'on sait invendable, on mettrait son livre sur le catalogue en POD, en espérant en vendre un, mais pour le plaisir d'avoir sorti un poète dans son catalogue. Donc, la POD et l'édition, enfin, je veux dire, le livre numérique, ont complètement changé la donne. Donc, les métiers vont évoluer. Je pense que les agents littéraires vont apparaître. Ça fait 5-6 ans qu'on en parle. Pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment d'émergence. Ils vont apparaître. Le problème, c'est que quand on est au début de quelque chose, il y a aussi beaucoup de requins. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'argent rapidement et tout ça. Il y a beaucoup de plateformes d'auto-édition, beaucoup de choses qui se passent. Donc on a parlé de patience tout à l'heure, mais je pense que c'est un domaine où il faut être patient et bien discuter avec les collègues. Là encore, je pense que la communauté est votre amie. Il y a
Mais d'ailleurs, j'en vois beaucoup sur les forums, etc. Beaucoup de gens qui posent la question, disant, je voudrais être autorité, quelle plateforme vous conseillez, chez qui vous êtes-vous, comment ça se passe. Et si jamais ça vous intéresse, faire pareil. C'est-à-dire que choisir. Déjà, toutes les plateformes d'auto-édition ne proposent pas tout à fait les mêmes services ou les mêmes prestations. Il y en a qui proposent de mettre votre livre en ligne de façon gratuite, c'est-à-dire que vous ne payez pas le fait de mettre le livre en ligne. Et après, eux, ils prennent une com sur vos ventes. Il y en a au contraire qui vous versent la totalité des ventes, mais qui vous font payer le fait de mettre le livre en ligne. Il y a plusieurs formules, donc il faut choisir celle qui vous intéresse, selon que vous espérez vendre beaucoup de livres ou pas, il y a plein de formules. Et il y a beaucoup d'acteurs, donc en effet, choisir ceux qui sont les plus réputés, ceux qui ont les meilleures presses, on va dire. Je pense qu'il y aura un écrémage aussi, forcément quand il y a quelque chose de nouveau, il y en a forcément plein. Est-ce un peu comme les startups qu'on a eu en Exactement. Informatique, il y avait brusquement plein d'entreprises et puis elles ont disparu. Donc actuellement, on est dans la même vague, c'est-à-dire qu'on a un moment d'émergence où il y a plein de petits sites qui vont se créer, qui vont émerger. Et on va dire, il va falloir, dans 5 ans, on fera le bilan, quoi. On verra qui est resté en ligne, qu'est-ce qui en est sorti. Ça fait 2 ans que je suis au Salon du Livre de Paris. Il y a un nombre de stands, de plateformes d'édition qui est sans cesse croissant, c'est impressionnant. Et pour revenir à la question, avant de se demander si on prend un agent littéraire, on se demande si les éditeurs reçoivent les agents littéraires. Parce que est-ce que eux sont dans cette démarche? Et je n'ai pas l'impression actuellement que ce soit le cas. Donc, qu'est-ce qui va nous vendre cet agent littéraire? C'est la bonne question, oui. En tout cas, aujourd'hui, de ce que moi j'ai vu dans l'auto-édition, justement, ce sont souvent les plateformes d'auto-édition qui se proposent de se positionner comme agent littéraire, et ils proposent ça aux auteurs auto-édités qui ont réussi à vendre correctement. Donc en fait, ils biaisent le show, c'est-à-dire qu'ils vont voir. Ouais. Ils vendent un chiffre de vente en disant cet auteur-là, il a déjà vendu lui-même 2000, 3000, 5000. Donc c'est pas du travail d'agent littéraire, on est d'accord. Voilà. Il peut faire lui-même. C'est une question de réseau, c'est-à-dire qu'ils se positionnent sur le fait qu'eux, ils connaissent et ils vous présentent à des gens qu'en tant qu'autorité, en tant que particulier, vous ne connaissez pas. Donc après, soit vous avez confiance en vous-même, on a vu qu'il y avait déjà pas mal de compétences, et vous dites, bah, j'y vais au culot, je cherche les renseignements des éditeurs, je propose moi-même. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans les chemins des comités de lecture et sur des piles, alors qu'on se dit, bah, peut-être l'agent littéraire, il connaît cette personne, il va mettre mon livre en haut de la pile. Mais honnêtement, je ne sais pas comment ça se passe. En fait, je me demandais si l'agent littéraire ne pouvait pas remplacer toute la partie marketing et la partie autopromotion dans l'auto-édition, en fait. Si on ne pouvait pas, quand on a une start-up, on paye quelqu'un pour faire la com, est-ce que là, on ne pouvait pas payer un agent littéraire pour faire la promo, quoi? Je pense pas, en tout cas pas encore. Le métier n'est pas développé. C'est pas le métier. Alors, dans ce cas-là, peut-être on parle d'un autre métier, c'est-à-dire l'agent littéraire. C'est vraiment quelqu'un qui va placer un manuscrit chez un éditeur. Donc peut-être il y a des métiers inventés, mais il y en a déjà, c'est-à-dire les plateformes d'auto-édition vont proposer des services. Et là, j'ai envie de dire, il faut être très prudent. J'insiste sur le côté émergent. Moi, j'ai vu de ces trucs, enfin, des fois, de temps en temps, ça m'énerve, mais j'y partage sur Facebook. Genre, on vous demande des sommes complètement dingues pour faire... En ce moment, le marché n'est pas très sain parce qu'il n'y a pas eu d'écrémage, il n'y a pas eu de test. Et on va vous vendre des ateliers d'écriture. Alors, vous pouvez faire ça avec vos potes et des gens sympathiques. On va vous vendre des pubs pour un prix complètement dingue. Donc, bon, voilà. Déjà, ce n'est pas le métier d'agent littéraire. Et les autres métiers à côté de marketing, eh ben, il faut être très prudent. Parce qu'en plus, on va vous vendre, je sais pas, une prestation 1 000, 2 000 euros et vous allez rester les gouttes d'eau dans l'océan. Et si vous avez 1 000 ou 2 000 euros à perdre, faites un bon voyage, quoi. Oui, donc faut se rendre compte de combien vous gagnez sur le prix d'un livre. Et quand on parle de 1 000 ou 2 000 euros, pour les amortir, il faut prendre un sac à paquet de livres. Donc, faut rester. Mais bon, l'agent littéraire, il ne faut justement pas mélanger son métier, s'il existe en France. C'est pas du tout faire le marketing de le livre par rapport au public et de faire vendre votre livre. C'est qui est ça le métier d'éditeur. Voilà, donc l'agent littéraire, vous êtes en contact avec l'éditeur et l'éditeur fait du marketing. Oui, sachant que bon, les éditeurs, ils ont des budgets de com qui sont quand même très, très, très réduits. Donc en général, ils mettent le paquet sur les livres qu'ils savent qu'ils vont se vendre pour rentabiliser. Donc c'est pas toujours évident. Et puis après, les éditeurs, il y a éditeurs et éditeurs. Sur la taille de l'éditeur, il y a plus ou moins de budget com. Si vous arrivez à séduire un gros éditeur, forcément, il a un budget de communication qui va être énorme, qui va mettre en avant votre livre.
Je connais beaucoup d'auteurs traditionnels qui sont chez des petits éditeurs régionaux, etc. Ces éditeurs-là, ils n'ont pas forcément un budget communication qui est énorme, mais c'est pas eux non plus qui vont faire en sorte que votre livre va se vendre des milliers d'exemplaires. Du coup, je crois qu'on peut conclure. Ça y est, on a fait le tour. Pas d'autres questions ? Donc, je pense que c'était pas mal. Hein. On a quand même parlé un bon moment. Moi, j'ai soif. Hein. J'ai faim et j'ai soif. Oui, je sais pas quelle heure il est. Non, il est tard. On a bien cerné le sujet. Donc, on va poster la vidéo sur YouTube. On mettra des liens. On complétera par des articles. Et surtout, que cette table ronde soit le début d'une discussion et pas une fermeture. Ah non, c'est sûr. Mais de toute façon, ça s'est démocratisé encore une fois il y a quelques années et on est vraiment encore au début de l'aventure. Je pense qu'on est encore au début du chemin pour l'auto-édition. Et on va observer de belles choses dans les années qui arrivent. Oui, je pense. Ouais. C'est vraiment c'est passionnant de le voir de l'extérieur et pour ma part en tout cas d'y participer, d'être dedans. C'est assez enthousiasmant. Il y a vraiment une très très belle communauté. J'avais un mot de la fin à dire, c'est qu'il y a de très grands écrivains en termes de stature qui font maintenant les deux, parce que l'éditeur ne va pas assez vite forcément, ou qu'il va l'essayer autre chose. C'est traître parce que tu lances le sujet au moment qu'on plus. Donc, je suis obligée de rebondir, je me sens obligée. Attention à ne pas confondre un auteur, l'auto-édition de l'auteur connu, c'est quand même un autre processus dont on n'a pas parlé, donc on pourra parler sur le forum, dans des débats, mais il faut, voilà, c'est pas l'image qu'on doit avoir en tête quand on débute. Non, mais c'est vrai que, comme on dit tout à l'heure, que c'est vraiment ouvert à tout le monde, que ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse aussi aux auteurs traditionnels. Il y a effectivement des auteurs traditionnels qui ont des livres qui sont édités de manière traditionnelle et qui distribuent certains de leurs autres ouvrages par l'auto-édition pour diverses raisons, pour des raisons de vitesse de publication, parce qu'ils ont envie de faire un essai dans un total autre genre. Par exemple, un auteur qui écrit que des polars, qui est connu pour ça, il a tout d'un coup envie d'écrire, je ne sais pas, une romance légère ou quoi, il va éventuellement prendre un pseudo et puis il publie en auto-édition juste pour tester autre chose. C'est vraiment ouvert à tout le monde, y compris aux auteurs traditionnels. Mais disons que l'auteur traditionnel a un bagage, a été confronté à, on va dire, a fait déjà une grosse part du parcours de l'auto-édité. Enfin, voilà, il est en avance, on va dire. Ou pas, parce que ça se trouve, il n'a que la compétence d'écriture, il lui manque peut-être un peu tout le reste, mais s'il a eu du succès en tant qu'auteur traditionnel, il a peut-être justement éloigné le réseau, les gens des compétences autour de lui, voire éventuellement les moyens pour se les payer un graphiste, payer une couverture, etc. Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouvera sur YouTube et sur le forum pour continuer ces discussions et partager des idées.